J'allais dire, vous avez le droit à ma tronche en attendant, parce que... Ah, petit Seb. Archelmore Télécom, bonjour. Mouah. Ah là 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 là. D'ailleurs, ce serait peut-être pas mal que je reprenne mon titre. Il était pas mal mon titre de. Attendez, il faut que je regarde. Comment j'avais nommé mon fichier, moi, de diffusion? Salut! Bonjour petit Seb, comment que ça va? Oh bah ça va bien, et toi le sage? Bon ça va, tu vois, finalement je suis matinal, donc c'est cool. Ouais. C'est cool, c'est cool. Oh, je vais rechercher le titre qui était bien, le premier que j'ai, notre première coop. Le titre était beau. Je vais carrément le copier-coller. Faut que j'aille le rechercher dans mes Moi rediffs. ça c'est un truc que j'ai du mal, j'aime pas mettre deux fois le même titre. Ah ouais. Alors des fois tu vois je change un mot, je change un verbe, mais je change toujours un truc, faut pas que ça soit pareil. J'aime pas le. Ça c'est la déformation professionnelle, tu sais. Tant que prof, j'aime pas qu'on copie. Je conçois, je conçois. Non, moi je t'avouerais que c'était dans mon standard défini d'entrée de jeu. Quand je voulais me lancer sur Twitch, alors j'avais fait ça consciencieusement, c'est-à-dire que je m'étais fait un cahier des charges en disant je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et j'avais dit que je préfixerais tous mes titres de la date du jour. Ce qui me permet de m'organiser, bah, voilà, c'est explicite, la date du jour, il n'y a pas meilleur index pour classer des vidéos. Et ça me va très bien. Alors, hop. Ruine, pluie, orage et neige. Voilà. Ok. Ah bah je vais lancer le jeu moi déjà. Ah bah du coup, moi je suis déjà dessus. Je suis en train de regarder les planètes que j'ai, le temps qu'il fait sur chacune. Oh, la météo planétaire. Bah oui, parce que en fait, ce que tu disais la dernière fois, ça m'a marqué, ça m'a fait réfléchir. Tu disais la première planète sur laquelle on s'était installé, il y a beaucoup de pluie. Mais au final, c'est peut-être une bonne chose. Ah, pour Alors, l'agriculture, la énormément. pluie, Énormément. orage, pluie lumineuse, je sais pas ce que c'est. Et bruine. En vrai, la première Ça. planète est pas si mal que ça, moi, sur laquelle j'étais. C'est plus ce que t'avais toi, mais... Oh, je vais pas tarder à te le dire. Oh, bien pire, je pourrais venir jeter un œil moi-même. Mais de toute façon, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher du carburant sur la Lune. Histoire de... Peut-être de faire un aller-retour sur une planète à côté et de voir. Salut Aéro! Aéro Bah. qui passe sur mon stream aussi. Bah oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'interface de... Voilà. Bah, c'est moi ou tu t'es planqué dans Steam? Je te vois pas. Non, parce que je suis quasiment tout le temps en invisible. Tiens, allez hop. Ah, bah oui, comment je fais pour rejoindre le serveur, moi si je te vois pas. Rejoindre l'apathie. S'il vous plaît. Ben oui, parce que comme ça, si tu veux, je garde la surprise sur les jeux que je mets en place quand je prépare mes streams. Oh C'est pour ça que je suis toujours en invisible. là là, ça va jusque là. Ouais. Et en dehors de ça, c'est aussi je garde la surprise sur les jeux que j'enregistre pour poster sur YouTube. Oh, c'est beau. Eh oui, je te comprends. Wouah, le bordel! J'ai un inventaire de fou. Ouais, moi aussi, et je dis on a dû quitter un peu à l'arrache la dernière fois. Petit Un peu. peu vite.
Attends, il y a des matières précieuses, faut pas que je les perde. Parce que j'ai déjà des de la technologie encadrée en mauve. Attendez, oh là là là. Ah, je peux apprendre un. C'est un désert, c'est pas intéressant. Quand t'es dans le désert. Les documents, je vais les mettre dans mes caisses. Allez, où la caisse où? Ta planète de départ, c'est la même, les mêmes. Caractéristiques que toi. Ouais. Je conçois. J'ai un Mais petit toutes les planètes, bébé. en fait, que t'as, c'est. J'ai l'impression que c'est juste un copier de la mienne, quoi. Ouais, pour le début, c'est peut-être commun à tous les joueurs pour équilibrer le jeu, je présume. Ah ouais. Mais j'ai l'impression que c'est le même, c'est vraiment le même système, quoi. C'est bizarre. Alors merde, il joue pas mon Pédu. Sauf si même quand je suis dans ton vaisseau, je vois mon truc à moi. Terre grasp 3. Comment il va, maître Hibou? Ah, j'ai filé des instruments, le sage il est à fond sur sa guitare. Bah oui, c'est beau pour démarrer le direct. J'entends. Pourquoi j'entends rien? Pourrais pas dire, moi j'entends tout. C'est peut-être un bug du jeu, hein, on va savoir. Bon, on fait quoi, chef? Non mais. Quelle idée de tirer dans mon vaisseau, ça va pas, non? Il est fou. Ta quête principale, tu en es où? Il me dit de d'analyser des objets dans le la station orbitale intergalactique là. Oh, ça serait peut-être bien que tu fasses ça. Je vais y aller, chef. Attends, je range mon superflu là parce que j'ai vraiment des trucs. Parce qu'au début, c'est bien de chercher une planète pour la base, mais en vrai, tant qu'on n'aura pas avancé un peu, s'installer, ça va être compliqué. Bah déjà parce qu'on n'aura pas les ressources pour. Yep. Voilà, Intergalactic Space Station. Ha ha! On va faire de l'analyse. Alors. Oui. Je sais plus, je crois que c'est en vert les trucs à. Faut tout analyser. Tout. Attends, je sais plus s'il y avait un truc tout au bout ou pas. De toute façon, ça fait de la promenade, donc je vais pas dire non. Alors, je suis amusé à regarder ton point de vue cette semaine. Et Ah, ma rediff. ouais. Et non, je vois que toi tu joues en large alors que moi je joue en étroit au niveau de la caméra. Ah oui, il faut accepter le coup de la florane là. Ah non, non, je suis pas prêt. Non, je t'ai fait avoir Non, la déjà. Florane, c'est la reine. Oh my dieu. C'est beau. Eh oui, toutes les espèces de l'univers. Et là, c'est le mur. Je suis sûr qu'il y a un truc en haut, c'est obligé. Faut avoir tous les bonus pour pouvoir. Oh! Oh! Putain, si je tombe, je meurs comme un caca. Ah non, il n'y a rien. J'aurais essayé, hein, vous l'aurez vu. Allez, creuse plus vite, petit, il y a le fantôme qui est derrière moi. Ah oui, sur la lune pour récupérer ouais, des hydrocarbures, ouais, c'est risqué. La mamie, je vais pas la numériser quand même. Oh mon dieu. Pardon. Oh, c'est superbe.
Boudou. Oh, cette téléportation à 100 mètres, c'est scandaleux. C'est rigolo. Salut Lynn! Tout J'espère que tu se vas bien. scanne. Ah, le frigo. Voilà, j'ai un peu d'essence déjà. Pas grand chose, mais un petit peu. Oh voilà, le chien il est débile, il s'est encastré dans la porte. Oh, dis-moi que j'ai de la thunasse. Non, je suis fauché. Fauché comme le blé. T'as besoin de quelque chose? Non. Non, non, merci. Si moi j'en ai un peu de thune, si jamais. Ben, pour tout avouer, j'ai 4 pixels. Et moi je dois être à 1400. Ou vache, fais gaffe de pas mourir. Non, c'est pour ça. Dès que le fantôme s'est un peu trop approché, je me suis TP loin. Enfin, je me suis retp au vaisseau et puis comme ça je me retp sur la planète après et. Ouch! Lui, il m'a donné récompense. Non, 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 plus tard, le prochain test du mecha. Attends, il y a le barman pingouin en contrebas, non? Merde. Oui, mais c'est la quête avec la super. On n'a pas le niveau. Ok, il y a un mec qui est maboule qui reste dans le noir au fond du bar. Et le gars, il est dans l'obscurité, tout va bien. Il n'y a pas 50 000 barges dans l'univers. Non, il y en a 50 001. C'est-à-dire moi! Non, mais Il y a moi aussi. Ah bah c'était 50 002 en Oui. fait. Et puis il y en a une Oula, deuxième. oula, oula. Enfin bref, on les compte plus. Hop. Mais qu'est-ce qu'ils ont resté dans le bar alors que tout est éteint? Allume-leur la lumière. Ça se Mais trouve, ça c'est juste marche qu'ils pas, savent c'est pas où est le. cassé. Ils savent pas où est le bouton, Tato. Non, c'est cassé, faut changer les ampoules, refaire l'électricité, tout ça. Oh mon Dieu! Appelez l'électricien, appelez l'électricien. Wow, c'est la première fois que je vois une Florane présentée comme ça, dis donc. Eh bien, c'était une Florane Rasta. Oh! C'est un prêtre des ténèbres. Le temps viendra pour toi, le GDN, mais j'ai pas le temps de lire. Bon, c'est pas grave. Eh oui, mon heure viendra. Mais j'ai l'air débile. Ah non, le tech, ok, en fait partie. Cette console, il va te permettre de t'équiper en technologie. Oui, dextérité, mobilité. Blablabla. Oh, c'est trop chou. Les oursons mineurs. Avec la quête qui me tient à cœur de lui fournir plus tard un ours en peluche. C'est trop choupinou, j'adore. Je me rappelle trop l'avoir eu quasiment dès le début, cette quête de l'ourson, là, mais je peux me tromper. Oula. Quoi? Quelle est ta Oula. danse favorite, le robot? La danse Tetris. Oh mon Dieu, ils vendent des choses. Oh, il y a un joli végétal. Je l'achète, je vais le mettre dans mon vaisseau. Alors, le vendeur grenouille. Là. Magasin de fourniture, une large sélection de pièces exotiques à travers l'univers, régulièrement avec des nouveaux stocks. Mais oh, ça va trop vite les dialogues, j'ai pas le temps de les traduire. C'est pas malin ça. Alors, un magasin où tu peux créer tes propres panneaux personnalisés. Ouais, c'est pas évident, mais c'est une excellente idée. Effectivement, je m'en souviens. Bon, on conclut que t'as fait ton tour aujourd'hui. Reviens me retrouver quand t'es prêt. Je vais tricher au téléporteur. Là. J'espère que je me suis pas trompé de destination. Mais non, ça va. Esther. Elle va m'a donné une grande mission, Esther. Merde, faut que je bouge, je crevais de faim, moi. Oh putain! J'avais oublié ce détail. Salut Sorcinelle. Et ça va, Aline, merci. Bon Comment tu vas, picor. Sorcinelle? Moi, je suis mouru.
J'avais oublié le fantôme, il te one shot quand il t'arrive, même quand t'es dans le mecha. J'ai récupéré tout mon stuff. Bonjour les spectateurs de Petit Seb Live. Excellent boulot. Ça peut paraître trivial, mais scanner les éléments essentiels pour ta recherche d'artefacts. Oui, ok, on a compris. Alors, elle me dit quoi? Alors maintenant, ce que tu as besoin de démarrer avec ces artefacts, mon cher, oui. Les premiers seront les Floranes. Cette colonie contient des trucs vitaux. De nos jours, ils vivent dans des végétations de forêt dense. Tu peux trouver ce genre de planète sur les étoiles gentillettes, là. Enfin, accommodantes, on va dire, c'est Gentle ça. Star. C'est ça. Accepte. Ok. Ah ouais. Ah, je me souviens du boss des Floranes. Il est excellent. Il a peut-être changé depuis. Va savoir. Oh, la mamie, elle est gentille. Elle m'a offert un module de manipulation. Elle a vraiment le regard austère, la vendeuse de téléporteurs. Elle fait une tête, là, froncer les sourcils, elle est redoutable. C'est bon, moi, comme j'avais loot un truc de téléporteur, là, la dernière fois, j'ai pu... J'ai pu en acheter un. C'est bien. Donc, dès qu'on aura trouvé la planète sur laquelle on veut s'installer, bim! Chic planète, dungeon dessus. Oh, magnifique! Mon nouveau végétal, je peux même le mettre dans la cabine de pilotage. J'adore! Bon, moi j'ai de l'agriculture à faire, hein. C'est pas tout, mais si je reste comme ça, moi je vais crever. D'ailleurs, je vais cuire mes deux pommes de terre. Ah non, mais on est tous les deux sur Starbound, Sentinel. Starbound. Si vous voulez revoir l'épisode précédent qui dure environ 4 heures, rendez-vous sur nos canaux respectifs. D'ailleurs, t'as ta propre chaîne YouTube, petit Seb, où tu déposes ouais. tes. C'est très bien. Oui. Tout est dans les liens en dessous. Ton public ne peut pas louper le moindre épisode, c'est parfait. Goudou, goudou. Wouah, j'ai atterri de nuit. Ah non, j'ai rangé mon matos pour faire de l'agriculture, mais je suis un crétin, c'est pas possible. Bah on avait commencé hein, sur ma planète là. Ah oui, mais je veux faire ça de manière perpétuelle. À chaque fois que j'ai une graine, je la plante. Bah ça y est, moi je suis sur la planète là, si tu veux. C'est bien. Oh, il y a plein de maïs de pousser, toi qui voulais faire du popcorn. Oui, je réquisitionne le maïs, s'il vous plaît. Bah, j'en prends un peu, parce que... Oui, prends ta réserve, parce qu'attention, j'arrive. J'en ai pris deux, et il en reste quatre, donc... Je veux mon popcorn, comme j'aime l'appeler. Bonjour, madame. Oh, cet accueil merveilleux. Je suis accueilli par une madame adorable. Mais je la reconnais! C'est celle qui m'a guaqué au jeu des chaises musicales. C'est scandaleux. Faut regarder l'épisode précédent mauvais, pour comprendre. Mauvais perdant, va. Tiens. Il me donne un coup de ouf. Hey, il est fou. Hey, vous ne passerez pas. Voilà, ça va, tranquille. Wouh. Mon popicorn, mon popicorn. Il... Hey, j'avais laissé le feu de camp à côté. Pidu, j'en ai un dans mon vaisseau. D'ailleurs, il me tarde d'atteindre la technologie pour fabriquer un micro-ondes. Youpi! Grâce à toi, ouais, j'ai t'inquiète pas. Avec l'ossage, on est toujours en forme sur Sarbonne. C'est que la deuxième fois, mais on est toujours en forme sur Sarbonne. Oh, yop! J'ai mon cousin qui vient me passer. C'est bon, les yop. Ouais, fais un petit coucou. C'est bien alors qu'il démarre sa journée. Ah bah bon courage à toi qui démarre ta journée. Ouais, bon courage à Rio. Tu m'étonnes.
Ah, c'est une graine, ça. Je peux la replanter sur ma planète. Alors, mes réserves, blablabla. Il me reste deux conserves de secours. Non, non, franchement, là, la bouffe, faut bien la gérer dès le début. Alors, hop, je descends sur ma planète. Voilà, il nous dit merci. Ah, cette fois-ci, il fait jour. Ah, qui j'ai fait? Où vais-je? Ouais, là, je peux... petit peu labourer le sol. J'ai mis une petite torche de fortune. Non. Touk. Voilà. Arrosage. Il est où mon arrosoir? Arrosoir. Tch, tch, tch. Arrosoir. Touk. Ah, je visais à côté. Comment ça va, Rio, Merveilleux. sinon? Bah dis hop tout le monde, oui, salut tout le monde individuellement. Oh, je me souviens même plus de la surface de ma planète. Enfin, faut dire aussi, j'ai dû courir comme un dératé la toute première fois. Ah oui, je me souviens, t'avais fait ça. T'avais sécurisé la zone, c'était trop bien. Un chef, petit Seb. Il a Hein? Comment ça, j'ai sécurisé ma sécurisé la planète. zone? Ah non, mais bravo. T'as posé des De quoi tu ponts, trop parles? bien. Mais je parle que t'as posé des ponts sur ma planète, que t'as creusé des beaux tunnels. Comme ça, on peut courir en surface sans se taper de la spéléo ou d'escalade. C'est magnifique. Ouch, un ennemi. Pas Ouch! moi, c'est toi, ça, non? Non, j'ai pas souvenir d'en avoir fait autant. Tu m'as aidé, obligatoirement. Non, non, parce que moi je suis pas... Ah, si, 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 oui! Oui, parce que c'était... je trouvais que c'était trop haut comme pour monter. Ah oui. J'ai trouvé du riz sauvage. Oh, une fleur. Oh, du... J'allais dire du pétrole, non. Du prout-prout. Du charbon. Ouais, je viens de ramasser là aussi, je m'étais tapé sur toi. Oula. Aïe, 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 aïe. Arrêtez de me tabasser, les vilaines bêtes. Vous êtes en train de me bouffer la moitié de ma vie. Charbon, charbon. Yes, we are the mineral de fond, Dali Loulon. Toi aussi, tu aimes le charbon. C'est vrai qu'on a le double saut. Oui, c'est ça qui est beau. Bah, c'est justement avec la propriété double saut tout à l'heure. J'étais parti pour guaquer le décor. J'ai vu qu'il y avait moyen. Oh le piaf, heureusement qu'il n'est pas hostile. J'ai vu son gabarit. Oh non! J'ai Ah encore un mince, je trouble l'ai, fête. je suis parti trop loin. Ah mais t'es remonté au-dessus. Oui, là je suis sur les sommets de ma planète en train de récolter le charbon de surface. Pom 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 pom. Alors pardon, je vais être direct avec toi, mon cher petit Seb. Tu m'avais fait Oui. comprendre que tu pourras pas être dispo toute la matinée et l'heure limite est de 11 h. 11 h. Ok, merci pour l'info. Pardon. Moi, je récupère de la roche sur ma planète. Je vais me faire un petit habitat. Tu m'as fait peur. Oh, avec ton énorme hache là. Qu'est-ce que t'as contre mon énorme... Que veux-tu que je réponde à cela? Ah! Ah, Malin tu veux un ça. arbre? Non mais la première seconde où je t'ai vu débouler, je t'ai pris presque pour... je sais pas si tu connais dans la série horrifique Silent Hill pour Triangle Head. Le boss à tête de triangle là. Ah, pyramide aide, Oui, tu veux Pyramid dire. Head, merci, exact. Oh, moi je vais les ranger un peu tout ce que j'ai récupéré parce que c'est pas mal. Le carburant. J'ai dû en récupérer pas mal cette fois là.
En 94, et comme ça fait le double, tu as 500 de carburant. Ah oui, je me souviens, le sage, il m'avait dit c'est lui qui remplirait mon réservoir. Vie. Ça, et les petits plats. J'adore cuisiner dans Starbound. Attends, attends, c'est quoi ce délire? Qui que quoi? Pourquoi tu flippes? Qui t'arrive? Gateway. C'est quoi Gateway? Gateway. Ouch, je me suis fait Radioactif. bugger. Planète radioactive. Système radioactif. On va peut-être éviter. Non, on n'est pas encore capable de parer les radiations. Ça viendra un jour, mais ce jour n'est pas encore arrivé. Mais ils sont 650 milliards là, il faut qu'ils se calment. D'ailleurs, faut que je mange un morceau parce que je vais finir par crever. Mon sacro-saint popicorn. Rendez-moi mon popicorn. Ah, Par la contre, nuit arrive. l'utilisation du carburant, ça va vite, hein. Eh oui, c'est une ressource précieuse, mais elle est en abondance. Oui. On va pas se voiler la face. Et puis après, une fois que t'as des pixels, tu peux en acheter autant que tu veux, donc. Oui, au pire, ouais, tu fais banque dans l'essence, c'est pas perdu. Alors. Ah merde, c'était de la bouffe. Alors, quoi? Voilà, lave-la la graine. Non. J'ai un problème, mon animal de compagnie s'est foutu devant le fauteuil, je peux plus l'utiliser. Ah. Ah, c'est moche. Ça me rappelle moi dans Stardew Valley. On va bien dans l'ensemble, merci cousin Rio. Qui nous dit que ça fait aller. dans Starbound, moi j'avais mon idiot de chien qui m'empêchait d'aller me coucher, d'atteindre mon Oh lit et de Rio, finir merci ma pour le nuit. follow. C'est Ah oui. dire. Ouais, mais maintenant, comme tu l'as mis en hauteur, t'as pas de problème là. Oui, enfin, oui, j'avais forcément délocalisé le plumard, mais bon, bref. C'est quoi ce machin? J'ai trouvé un portail dans l'espace. Portail dans les sports. Ah, la poésie et la magie Starbound. Et on a des choses à faire. Alors, j'ai récolté quoi en caillou? Oh, c'est difficile de faire quelque chose avec ça, moi. Retournons dans le vaisseau. Ok, Hop. d'accord. Chic Il planète. faut un clé de, une clé ancienne de coffre. Et on peut ouvrir Oh. la porte ancienne. Ça doit mener à un endroit pour un fight de folie avec des récompenses de folie, je pense. Oh mon Dieu. Et je dis je pense parce que j'en sais rien, c'est la première fois que j'en vois une. Un jour viendra. Bon, je peux encore faire des caisses, mais mon problème c'est que faudrait que j'agrandisse mon vaisseau. C'est pas pour tout de suite. Voilà, je fais des belles briques en pierre. Ça, je vais me faire une belle planque sur ma planète. C'est du x5, ok. Oh, pardon. Oh, je fais mon vilain, je picore une délicieuse brioche. C'est Et mon ben bon plaisir de ce appétit. matin. Yeah. Et encore merci pour ton follow, hein, Alors. Ouais, je pense que je vais installer la base sur notre première planète, en vrai. Enfin, sur ma première planète. Fais donc, fais donc. Moi, je vais m'aménager un petit chez moi. À partir des ruines qui se trouvent sur ma planète. Dès que tu te téléportes dessus, ça m'ira très bien. Rénovation du vieux bâtiment. Mince. Ah, oh, il s'est encore couché à mes pieds, lui. Yes, my lord. L'animal de compagnie fort obéissant. Et bouh! Ah oui, yo. Fini de faire peur, oui. Scottec!
Je me demande si la partie supérieure, je vais pas la faire en bois. Ça y est, déchaîné, petit Seb, on l'a perdu. Oh my god! Ah, j'avais oublié, j'ai le double saut. Mais oui, tu as Je le double suis tombé dans le seul truc qu'il y avait dans le toit. C'est quoi cette maison? Il y a des trous partout, le sage! Mais je commence à faire rénovation, voilà. Attendez. Discothèque! Attends, comment je fais pour faire juste. Non, il y a une touche que je vais retrouver pour faire juste pour faire. Un cube, pas quatre. C'est le contrôle. Ah oui, bon, alors moi c'est ma touche du bas, merci. Non mais je tiens à rappeler que j'ai la chance d'avoir un autre promo. Tout. Non mais c'est le clavier qui tient en une main. Ça pour les joueurs, je vous le conseille. Investissez là-dedans, c'est le bonheur. Et ça tient juste dans la main, la paume de la main. Vous avez une quinzaine de touches. Mais le problème, c'est que. Enfin, le problème, qui n'en est pas un. Il faut reprogrammer ses touches pour chaque jeu. Mais c'est sans sas. Oh, mais moi, ça me va très bien avec un clavier classique. J'ai l'habitude, donc. Attends, ça, je vais le virer. Bah, tu fais attention, t'as la moitié de tes PV. Ah oui, tu as raison. Oui, merci. Non, mais c'est parce que je me suis fait agresser par les andouilles d'autochtones locaux, là. Les Pokémon, je sais pas quoi, qui sont déchaînés. Alors, je vais commencer à poser le plancher du fond. Enfin, les murs en bois. Et il va falloir que je fasse mon bûcheron. Il m'en faut du bois. Ah, je fais des bêtises. C'est difficile la rénovation des bâtiments. Ah, ça devrait pousser les végétaux avec cette flotte, c'est bien. Il pleut modérément, le rêve. Il n'y a pas mieux. Bonjour. Eh bien. Oula. Et merci, l'épée que tu m'as cédée là, qui est deux fois plus puissante que celle de départ. Je suis en train de mater mes adversaires, c'est un pur bonheur. Bah écoute, moi je l'utiliserai pas, donc autant que ça serve. Hein. Ah, complètement. En plus, elle a. Alors, pas le manche, mais elle a la base de la lame qui est de couleur rouge, sachant que c'est ma couleur favorite. Je suis aux anges. Alors attends, manger, tu m'avais dit que j'étais à la moitié de ma vie. Manger. Alors ça, c'est plutôt un bandage qu'il te faudrait, ou un lit. Moi, avec le bidon bien plein, je... Ah! Je me régénère. Ouais, là. Tu régènes tout doucement. Oui, mais c'est très bien. Moi, je suis pas face à un boss, là, j'ai que les gugus qui se présentent à moi les uns derrière les autres, donc je les aligne. Ça me va très bien. J'ai vraiment un relief escarpé sur ma planète. Ah, c'est ça que je voulais, du sable. Moi, je veux du bois. Une planète désertique là. Je prépare une petite surprise pour le sable. Oh. Deforestation. J'ai envie de reprendre le titre de YouTube. Celebration, là je crois qu'ils disent. Non, Elevation, je crois que c'est. Pour dire Deforestation. Deforestation. Bon, les nigos ils sont dans le trou. Je vais pas chercher à aller. Oh, oh magnifique! Oh, comment je l'ai sabré en plein saut! La manœuvre était splendide. J'ai fait une attaque samouraï. Touk. Touk. Ah bah, heureusement que c'est une créature pacifiste. Oh, c'est merveilleux, il y a plein de fibres ici. Je veux la fibre. Internet cette fois-ci. Truc de cachet là-dessous. Mais les végétaux.
Oh, c'est bon. Mec, t'as un sous-sol de folie! À ce point. Oui, son sous-sol est Salvation, dit remplissable. Rio. Salvation. Youhou. Youhou. Oula, je vais avoir du mal à bûcheronner ce sapin. Alors, c'est pas tout de bûcheronner, mais il faudra peut-être que je repique des pieds de sapin. Sinon, je vais vraiment me retrouver à la fin avec une planète désertique. Plus de ressources en Moi ça surface. m'arrangeait, je suis en train de chercher du sable. Bah, si t'attends longtemps, très longtemps, ça finira par arriver. Je vais sur une planète désertique, j'en trouve pas. C'est ironique, hein? Non, moi je me souviens de ma précédente partie là il y a des années. Je sais qu'à un moment il y a des planètes vachement bien. T'as une eau spéciale qui te régénère. Et moi je m'en faisais à chaque fois un bassin dans mon vaisseau. Je sais pas si tu vois de quoi je veux parler, petit Seb. Non, mais c'est classique sur ce genre de jeu d'avoir des fluides. Ça fait office de panacée, Des ça te soigne fluides bien. régénérants. Ouais. J'ai appris à crafter les reed blocks. Je sais pas ce que c'est. Ah. Attends, moi je replante un peu des arbres parce que si je veux avoir du bois plus tard, c'est essentiel. Oh, j'ai encore un moustique qui. Oh, j'ai récupéré une de ses griffes, dis donc. Devrait suffire. J'ai un deuxième. Oh! Très original! J'ai du riz qui a poussé sur le sommet d'une bâtisse en pierre. On se demande comment le riz a fait pour pousser dans la pierre. Oh, des petits lapinous. C'est mignon. C'est bien, j'ai pas mal de sapins à cuic. Il y a un petit poisson qui se promène dans le puits. Qu'est-ce que j'ai fait? Mince. Oh, à nouveau une pluie s'abat sur ma planète, c'est merveilleux. Oula. Alors, suis-je allé tout au fond du trou? Je crois pas. Si? Y a rien, y a rien. Hop là.
Bon, je pense que j'ai suffisamment de bois, non? J'en ai abattu des... Oh oh. Ouf, on est en train d'abattre le... Non, je pense que... Ah! Ah, puis la nuit arrive à nouveau. NPV 110. Ah oui! Quand même! Oui. Est-ce qu'en t'auras 2 minutes, tu peux me rejoindre sur mon vaisseau, le sage? Je vais te rejoindre. Alors, le vaisseau de Petit Seb. Pouf. Dis-nous tout. Tiens, alors, attrape ça, attrape ça, Oh, du attrape tungstène. ça. De la racine, du Voilà. verre. Je te mets Merci. dans l'atelier qui est là en haut. Tu vas dans l'onglet qui est tout à droite. Et tu peux te crafter le pack pour mettre dans le dos qui permet de respirer dans les zones sans oxygène. Tu es trop Wouhou! fort. Merci, petit Cheb. Voilà, Alors. surprise! Ça, oui, effectivement, sacrée surprise. Parce que là, il faut pas se le cacher au niveau du public, faut qu'on leur informe. C'est-à-dire qu'on vient de passer un palier technologique. Ouais, et sans faire exprès, j'ai amélioré mon fourneau. Eh ben, c'est bien. C'est un heureux accident. Il faut quoi là? Ouf. Ah oui, titanium, donc ça c'est mort. Là il faut Oui, quoi c'est pour plus tard. l'améliorer? Titanium c'est mort. Là il faut Je quoi? peux me faire de Titanium l'archimède. c'est mort. Et là, Il est bien ton four. Durastil c'est mort pareil. Ouais, je vais prendre ton four pour me faire des briques d'argile. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir, hein. Oh oui. Ah, voyons. C'est trop bien. J'ai bien d'avoir une idée qu'elle est trop mauvaise, mais il faut que je le fasse. Et Et tu alors, sais, juste en dessous, tu sais, on spawnait juste à côté du... De l'endroit où on pouvait descendre, là, pour tuer le premier boss, là, pour avoir les cristaux, là, pour la porte. Sur ma planète. Et du coup, j'étais en train de me dire, je peux construire la maison juste au-dessus. Ah oui. Et avec une sortie dans la cave pour aller dans ce qui restera en dessous. Ouais, c'est bien. Une fois que je reconstruis. Ah, il y a confusion de titres de musique de la part de mon cousin Rio qui me disait Salvation, mais de Cranberries. Salvation, salvation, salvation. Yeah. Non, moi je pensais à U2. U2. Mince, j'ai plus le mot-clé. Elevation. Elevation. Youhou. Y a pas un moment où il y a une presse à pixels ou un truc comme ça? Ça me dit vaguement quelque chose ton truc, mais je crois que c'est un niveau technologique lointain. Si on y joue tous les samedis matins, on l'aura pas avant l'automne prochain, hein, ta presse à pixels. Moi je te le dis. Ça arrivera T'inquiète pas! longuement après. Une fois qu'on aura commencé à avancer, moi je ferai peut-être un stream dans la semaine pour build tout doucement la base. Mais bien sûr, n'hésite pas. C'est bien, ça fera un épisode bonus. Si tu veux, tu peux TP à moi, comme ça tu prends le TP que je viens d'installer. Donc je vais Ah. l'appeler base. Oh. J'arrive. Enfin, c'est juste sur ma planète, hein, la seule sur laquelle je suis. Mais du coup, comme ça, je peux partir très loin. Et on pourra toujours revenir pour s'occuper des plantes et du reste. Oh, magnifique!
Alors, base petit Seb. Petit Seb, voilà. La base petit Seb. En plus, il y a la madame qui fait l'accueil. Oh, je vais shipper sa tente. Comme j'ai pas d'énergie à donf, je vais en récupérer stratégiquement. Oui, madame, je dors dans votre tente. Ne vous déplaise. Na. Attention, pour être sauté dessus. Bah, elle se tient droit comme un i à l'entrée de la tente, donc. Méfiance. Pouk. Voilà, je suis refait. Ah, petit bol de riz. Ah, on peut en faire trois. C'est le luxe. Miam. Oh! Mais à quoi elle joue? Mais elle est folle, cette dame. Elle doit se TP. Laisse-la tranquille, la pauvre. Bah, elle se TP. Bon. Non, mais t'as vu comment qu'elle s'amuse, hôte, comme une gamine. Elle se TP 10 mètres juste à côté du... Enfin, bon, bref. Ah, il y en a qui ont des vies passionnantes. Oh mon dieu, tellement de ressources. Oh, je suis sûr que je peux faire un truc, c'est obligé. Non, ça c'est mon inventaire. Voilà, mur de briques. Ça va me plaire, ça. Faudrait aussi que je me fasse des palissades en bois. Ah oui, faut que je reprenne mon... Ah non, faut que je prépare le bois tant que j'ai du bois brut. Ah oui, c'est comme ça. Elle aime bien cette épée, hein. On commence à débiter les planches. La violence. Allez, go. Ben voilà, je vais être peinard avec ça, moi. Alors, hop, je descends sur ma planète. Je continue ma construction. C'est peinard l'épisode d'aujourd'hui, mais c'est normal hein, par rapport à l'évolution de la carrière dans le jeu. Il faut qu'on s'installe une petite base. Oh! J'ai du maïs sauvage qui a poussé, c'est trop bien. Ah, ok, j'ai chiant. Ah, bah j'avais déjà une baraque. À croire que l'habitant est mort, ça fait peur. Oh! Oh non, c'est le cracheur de molar là. Ah, tu peux dire le, mais il y en a sûrement plusieurs. Hein. Oh, j'ai récupéré un échantillon de venom. Venom simple. C'est rare, ça c'est bien. De ce que je me souviens, l'échantillon de poison, il est pas si rare que ça. Tu peux en choper assez rapidement. Bah, je. En progressant. Mais c'est un des premiers. C'est un des premiers, c'est un des moins. Je considère avoir eu un coup de chance. Hop, 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 hop. Alors là j'ai mis les coffres, là j'ai mis ça. Ah mince, j'ai oublié un truc. Ah, encore du charbon, mais là il est à l'arrière-plan. Arroseur professionnel. Yep, yep, yep. Coucou. Bonjour, Twinsen. Ah.
dispositif. Ouch. Bah. Oui, j'allais dire, j'ai pas tout récupéré. Il y a un truc qui est planqué dans la montagne. Qui ne borne surprise. Elle peut être bonne comme mauvaise. C'est lui, puis lui. Puis lui, puis lui. Oula, 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 j'ai déclenché les flammes, la mauvaise surprise pour moi. Ouf, ouf, ouf. Pas cool. Hop là. J'ai ramassé trop de choses. Va vraiment falloir qu'on aille acheter un frigo parce que je ramasse plein de trucs et comme ça on pourra faire de la réserve. Oui, mais un frigo c'est pas donné dès le début. Je sais. Wouh, je tranche si finement mes ennemis que j'en obtiens des steaks. Magnifique. Et comme il y a un feu de camp sous la pluie légère. Je vais lentement me faire retirer mes steaks. Ah, je peux encore me faire du popcorn. Merveilleux. Popcorn. Je l'avais dépouillé, lui, avec ses caisses. Oui, on l'avait très probablement dépouillé. Oula, 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 je peux replanter des arbres, moi, ça se voit. Je peux replanter des arbres. Voilà, très bien. Ah. Oh. Oula. Attends, qu'est-ce que c'est que cette cavité? Alors, j'extrais un peu de charbon. Non, ce qui est très classe. Alors, je sais pas si c'est le cas de ta planète, mais alors j'ai une pluie légère. Ça en deviendrait presque enchanteur. C'est très agréable, c'est beau. Oh, lui, il vend des trucs. Ouais, c'est un vendeur. Ah, un bouclier champignon. Ouais, intéressant. Est-ce que je peux lui vendre des trucs? Je ne pense pas. Ce que j'ai sur moi, je vais précieusement le garder. Ouais non, désolé gars. Bon vieux steak. Fait du bien. Intéressant. Ça, je vais le garder. Bah, okay. Pourquoi il veut m'attaquer, lui? Je l'ai pas agressé. Alors là, il y a un truc qui m'échappe. Oh, mais c'est un vendeur. Ouais, bah c'est de la bouffe. Bah, je lui ai acheté 4 épis de maïs. Oula.
J'ai trouvé une lance à 17 de dégâts. Vache. Ah, ça y est, j'ai fait le tour de ma plaque. Oh, je la garde. Mon marteau, il était à combien? 14-9. Ah oui, bah oui, je peux la changer. Je vais laisser le marteau là. Parce que je l'aimais bien, ce marteau. Ça, regardez, ça aussi, ça aussi. Ça aussi. Ah oui, tous les trucs qui sont marqués outils de chasse sont intéressants à garder. Même si c'est des jetables avec une quantité. Parce que tout ce qui est outils de chasse, ça te permet de d'augmenter tes chances d'avoir de la viande et du cuir sur les monstres. Quand tu les tues avec. Ça, c'est vachement cool. Bien vu, effectivement. Oh, mais c'est quoi ce bestiaire qui m'attaque? Oh là 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 là, regardez-moi le morceau. Ça, je le garde parce que c'est la toute première arme du jeu. Attendez, je vais me soigner dans mon plumard là parce que j'ai pris cher. Ah, c'est mignon, mon animal de compagnie qui me rejoint au pied du lit. C'est mignon comme tout. Voilà, là je me régénère la santé. Je vais attendre un petit peu. Ouais, en fait c'était bien comme ça. Voilà. J'ai fait comme si j'étais en train de m'installer. Hop, à la surface. Ah. Intéressant. Ah, mais je sais pas, j'ai plus rien. Oh merde, Oum! J'ai un piaf qui vient m'agresser. Là, j'ai planté le riz. Ah, tout doucement, ça poussera. Bon, voilà, je me suis installé. Maintenant, on peut essayer d'avancer un peu. Pour avancer un peu, je sais exactement où est-ce qu'on doit aller. Oh. Est-ce que je vais te chercher un peu d'essence? Oula, là, là j'ai un bon orage. Oh, un vaisseau allié. Je vais aller voir s'ils ont des choses à vendre. Un vaisseau ami. Amical, pardon. Yep. Traduction exacte. Sibing, Sibing. Oula, 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 oula. Alors, ça c'est pour moi, merci. Oh, du carburant, merci. Oh, encore du carburant, merci. Ça, c'est un composant de vaisseau, merci. Ça, c'est encore du carburant, merci. Oh, il est très amical, ce vaisseau. Hein. C'est merveilleux. Je pille tout. C'est amical. Promis. Des pixels, c'est pour moi. Des bouquins, ça sera pour faire de la déco. Encore. Ce sera pour faire ta Valérie d'Amido. Ah! C'est moi le capitaine. Allez! Vous obéissez maintenant, hein. 1, 2, 3, 4. Ah bah non, j'ai merdé mon installation. Ah, il est sympa leur petit vaisseau. On va faire comme ça, ce sera mieux. Ah oui, mais il me semble que j'avais pris la quête suivante là pour le drone.
Bah, je sais qu'à un moment, t'avais parlé d'un gars qui est, je sais plus, un ancien maître, ancien gardien, qui est à 100 unités d'essence dans ton pupitre de commande, ton vaisseau, quelque Sans chose comme unité ça. descendante, je sais pas, mais oui, on a la quête. Mais de toute façon, la quête Becoming a Peacekeeper. Et Et ça, quand on va sur le. Sur le truc. Voir la localisation de la quête. Ah oui, ici. Et là, il faudrait. Ah oui, 100 d'essence. T'as raison. Mais c'est pas lui que je veux aller voir d'abord, parce que je veux aller voir les planètes qui sont à côté. Hop là, mon petit drapeau qui signifie que les prochaines fois où je demanderai à me faire téléporter sur la surface de la planète, ce sera ici. Là, je me suis fait agresser par un Pokémon. Alors, base, la mienne, sous-entendu. Ah, la pluie a cessé. Ah non, j'ai dit des bêtises. C'est parce que j'étais protégé par ma maison. Ah oui, j'ai un petit coffre pod. Bon, bah je vais le ranger ici en attendant. Bon, au fur et à mesure des épisodes, hein, j'améliorerai ma baraque. C'est... Voilà. Ça va grandir, ça va croître, il y aura de plus en plus le bazar organisé dedans. Ce sera merveilleux. Ouais, donc. Petit feu de camp, je crois que je pouvais faire, non? Wow, on se calme, on se calme, on se calme. Vite à l'intérieur. Hop, il y a une pluie de météorites sur ma lune. Ouche. Yalas. Ah, je peux refaire les outils de... Ah, oh, c'est trop bien. Pidi, 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 pou. Mais c'est moi! Récolter du carburant! Attends, je vais plutôt mettre ça vers le bas. Enfin, si je peux. Ibi. Ah bah c'est bien. Ça c'est un bel aménagement. Copain le fantôme, salut! La partie fantôme. Ah. Où vais-je disposer de cela? Telle est la question. Ça prend forme, petit à petit, ça prend forme. Ah bah non, je suis bête, j'avais déjà l'élément sélectionné. Voilà, là comme ça, c'est bien. Escalier. Yeah.
Est-ce que je peux me fabriquer une porte? Ce serait bien. Voilà, porte en bois pour ici. Oula, je suis tombé bas là. C'est pas bon ça. Tu es tombé dans une crevasse. Ouais, le problème c'est que je sais pas si je peux me TP de là où je suis. Et je crois bien que non. Oh. Donc si le fantôme me rattrape. Ah oui, c'est pas bon ça. Oui, je vois dans quelle situation Périlleux se retrouve, malheureux. Voilà, ma première porte en bois. Tic. Je me casse avant de faire une connerie. J'ai pu remonter à ces pompes TP et je m'en vais avant de faire une connerie. C'est plus prudent. Ce serait dommage de perdre tout ton gain, tu m'étonnes. Voilà, 671. Allez hop. C'est fini, on se casse de ce système solaire. Hop là. Tac, deuxième porte. Je vais faire l'autre côté, forcément. Touk. Très bien. Avec la petite torche au fronton. Nickel. Ah, ça commence à avoir de la tronche, mon petit chez moi. Faudrait que je me fasse un plumard. Moi, ça a de la tronche, hein. Il y a un téléporteur et plein de caisses en bois avec plein de stocks. Ah oui, mais t'es déjà le niveau au-dessus par rapport à moi. Eh oui, non, mais il n'y a pas de mur, il n'y a pas de toit, il n'y a pas de. Il n'y a rien du tout. Ah bon, ah mince. Ah, ça va, moi j'ai posé les 4 murs, j'ai le toit. Qui entre guillemets, va être extensible. Alors, c'est dégueulasse, je vais faire mon fossoyeur. J'ai repéré une tombe avec un coffre qui n'a pas été réquisitionné. Oh, bah que des lances de chasse, ouais, bon. C'est mieux que rien, mais bon. Ah, bah oui, c'est bien, il y a un lit là, c'est vrai. Il y a un plumard ici. Alors, est-ce que j'arrive à aller embêter le sage? Qui doit manger? Parce que là, j'ai le niveau de bouffe qui est bien bas. Mais justement, je t'apporte de la bouffe. Oh, merveilleux. Salut, copain! Bonjour, là. Oh. Merci. Mais c'est pas ta baraque, ça. Ça, c'est un truc que t'es en train de fouiller. Oui, c'est pas ma baraque. Ma baraque, elle est plus loin. Non, en fait, t'as reconnu l'architecture standard. Ouais. Effectivement. Et là, voilà, voilà la ruine que j'ai commencé à retaper. Ça, c'est mon futur chez moi, là. Oula, t'as été happé par quelque chose ou... Bah, où est-ce que t'es passé? Je suis là, je suis là, je suis là. Hein? Ah, ah, ah. Le fossoyeur complet. Je vois pas de quoi tu parles. Ah, tiens, il y a du charme aussi. Moi, okay. ce que j'ai kiffé voir sur ce jeu, oui. C'est les biomes en dessous des sanitaires, tu vois. Genre quand t'as les tuyaux, les blocs de merde. Ah tout. Oui. Ça m'avait fait kiffer la première fois, je me suis dit mais what the fuck quoi, j'ai trouvé ça trop sympa. Et il y a des égouts vachement dangereux, hein. Il y a des sacrées cochonneries par moment dans les égouts. Oui. Ah tiens, t'as du... Petit peu maïs, ouais. Quand je vais faire courir en popcorn directement au feu de camp. Voilà, là j'ai de la bouffe là, monsieur. Là j'ai une bonne réserve, je suis bien. Ça c'est parfait. Bon, on commence la quête suivante. Si tu veux. Alors. En espérant qu'on trouve ce qu'il faut sur cette planète là.
Alors, moi, je vais ranger mon matos. Ah, j'arrive plus à cliquer, c'est scandaleux. Je vais peut-être pas tout garder. Donc moi, ma quête par défaut là qui est active, c'est numériser les objets de des Floranes, de l'ethnie, oui, si je peux je dire sais, Floranes. mais justement, je suis allé dans un système solaire où il y a des planètes forestières pour essayer de les trouver. Ah, magnifique. Donc si je Attends, alors comprends ma bien, je me quête. téléporte à tes côtés. Salvage Internship. Salvage Power. Alors, pas maintenant, mais oui. Voilà, tu vois, là j'ai commencé à m'installer. J'ai foutu des caisses partout avec tout le stuff. Bon, j'ai rangé un petit peu, hein, et puis ça m'a permis de vider mon inventaire. Ok, alors, attends. Hop. Sinon, il y a une chose très utile que tu peux faire. TP-toi à moi ou sur mon vaisseau. Et avec les icônes qui sont à droite, tu te déploies avec ton mecha. Normalement, tu dois pouvoir le faire. Youhou ! Mecha déploiement. Ouais, mais ça tombe bien, il y avait des bandits. Oh vache. Chez la guerre. Eh, il est stylé ton mec. Oh, des lances de chasse. Ah, de la bouffe. Ah! Attends, comment je fais pour m'éjecter de mon truc, moi? Ah, comme ça. Je réquisitionne! J'entends sourd, j'entends sourd! Ça, c'est ça qui est très bien fait, t'es dans l'eau, ça atténue le son. Oh vache. Ah! J'ai du. Merde. C'est le clic droit. Ouais, non, j'allais dire, j'ai du charbon à récupérer, c'est intéressant. On va pas récupérer celui sous l'arbre. Enfin, sauf si tu tombes l'arbre. Je vais me calmer au niveau des forestations. Pourquoi? Je suis sûr que ça fait beaucoup de bois, ça. Oui, wow. Ça va, j'en ai. Pardon, ah mince. J'ai en train de m'enrhumer. Ouch. Oh, le pauvre crapaud. Oups. Ah, les marais sont profonds. Tes amours. Oui, mes amours, oui. Merci Rio. Oula. Attends. Quoi? C'est quoi ça? Ah, c'est une racine, c'est tout. C'est pas des Floranes, c'est des crapauds, putain! Par contre, il y a des trucs stylés là pour faire du. Hey, c'est pas des marchands les crapauds par nature. Pas tous, mais certains peut-être. Ah oui, c'est un marchand. Oh! Il en vend des choses. Ils vendent des molotovs, ils vendent des bombes. C'est pas un marchand, c'est un terroriste.
Dusty Chair. J'aime bien sa chaise. J'aime bien son sol. Oh, comment tu les dépouilles honteusement. Il va te battre. Il va se battre. Ah bah moi je lui fais M6 Solar, bouge de là. Ah, nous sommes des monstres. Ah, vilain. Incapacitate an innocent beast. Ouais. J'ai eu un succès parce que je suis un vilain et que je suis un monstre. Oh, oh du cacao. C'est bon ça. Bonjour monsieur. Kiki va. Quoi? Ah, c'est des cartons de déménagement qui vont, d'accord. Bon, moi malheureusement j'ai plus de thunes, mais c'est intéressant. Non, c'est tous des marchands en fait. Faut pas les agresser les Mickey, parce que c'est des marchands. C'est intéressant. Ouais, ça tient que 16 objets dans ces cartons de déménagement, c'est nul. Bah, il met que rien. Oui, effectivement, c'est des terroristes. Ah! Mais les marchands, c'est ceux qui ont le fez sur la tronche. Là, ouais, tu pourras pas passer avec le robot, à mon avis. Effectivement. À moins de... Attends. Ah. Se téléporter. Moi, je refais la planète, mais dans l'autre sens. C'est une astuce. C'est une astuce. Ah merde, je me suis téléporté chez moi, mais qui est con. En cliquant sur mon image en haut à... Oui. Aïe 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 aïe. Ça, c'est du cacao. N'hésite pas à complètement péter les plantations histoire de. Oh, il y a du cacao encore. Ça, c'est pas perdu. Le problème, c'est que c'est pas des grenouilles qu'on cherchait. Et je pense que s'il y a des grenouilles. On n'aura pas le reste. Eh ben, t'aurais dû aller dans le sens inverse, puisque je viens de découvrir une casse-bas avec des floranes dedans. J'arrive. Qui est cet étranger? Oh, il en vend des choses. Wow. Moi, j'achète tous ces steaks que je vais aller me faire cuire. Waouh, ils vendent même des artefacts d'art primitif. Extraordinaire. Waouh, ils vendent même du raisin si tu veux. Mais ça coûte cher. Ils sont trop trop forts. Oh, ça se scanne pour le... La quête. Pour la quête. Ah oui, leur statue. Et là, il y a aussi un des meubles à l'intérieur qui se scanne pour la quête. Oui, les objets qui apparaissent en vert. Ah oui, c'est leur portique de lance. Quel le marchand? Ah, c'est celui en bas. Oh! Ah t'as vu que le casque qui vend est vraiment pas mal? Oui, bon. Mais il vend des trucs extra, ce mec. Alors je vais de l'autre côté. Cher, mais... Oh, c'est beau ici. Oh, il y a une peau de bête au mur. Non, mais la... Ah non, la cage ne compte pas. Regarde l'urne, faut scanner l'urne blanche.
Ça fait partie de l'artisanat floral. Il y a aussi ouais, le monolithe là aussi. Le menhir est troublant. Ah. Quoi. Les quêtes, fais attention quand tu si tu essayes de prendre des quêtes, elles sont pas forcément toutes très utiles. Non là, il me dit qu'il y a un requin qui a attaqué du monde, machin. Oh la vache, il y en a du peuple. Ouais, t'as accepté la quête, non? Non. Non, non, non. Apprécié, pétale d'un blanc pur, il part du fleur de la marguerite dans le bocal. Oulala, c'est Madame Florane. Et on a des choses. Tu sais que les pots là. Mais oui. J'ai démonté la porte. J'ai vu ça et je suis parti avec. Bon, et j'ai où les gens qui avaient des tam-tams. Ravi de vous rencontrer. Oh, on n'a rien vu. Petit Seb, ce pilleur de l'espace. Je ne vois pas de quoi tu parles, mais vraiment. Oh, c'est qui lui? C'est le chef. Il a la grande coiffe. Tu remarqueras que je démonte que dans les endroits où il n'y a personne pour pas me faire tabasser. Oh. Elle est magnifique leur statue. Ouais. Et des planètes forestières, j'en ai trois hein, dans ce système là, donc. Ah, la caisse là. Ah oui, avec la lance en présentoir, ouais. Ah mais avec tout ça j'ai looté un truc, c'est quoi? Oh, c'est ah non, trop... l'autre était plus puissante. Mais le lore de ce jeu est magnifique de toute façon. Ouais. Wouah, il y a un chandelier. Trop classe. Ah merde, j'accepte une quête amoureuse. Je vais la faire après. Ah, j'ai une maison d'avance. Ah, une quête. Ah, il y a encore quelqu'un qui a disparu. On s'en fout. Ouais, non, là, il n'y a plus rien. Eh ben, sacré village floral. Ouais, non, il y a rien, toutes les torches tiki qui sont à l'extérieur. Ouh, module d'optimisation et j'ai récolté ma première clé USB. La clé USB, tu peux la mettre sur le poison. Je deviens hautement résistant au poison. Putain, c'est énorme ça. Oui, je peux la mettre sur le dispositif que tu m'as offert, ouais. Ouais, que je t'ai laissé le build, hein, que je t'ai filé les ressources pour construire. Voilà, je l'ai branché. Comme ça, je résiste au poison. S'il y a du poison dans les atmosphères, je pars complètement, je filtre. C'est énorme. Ouais, moi, ce que j'ai eu, c'était... Oh, il en vend des trucs. Vendeur très intéressant. Dommage que j'ai plus une thune, parce qu'il y a plein de trucs à lui acheter, lui. Ah tiens, j'ai pas fait valoir mon plan pour les, voilà, pupitres de station.
Ah ouais, non, mais ils vendent tout et n'importe quoi. Ils vendent même un flingue, c'est pour te dire. Ah, la statue est déjà analysée. Celle-là, oui, je crois. Oui, il y a une symétrie parfaite. Ah bah ouais. Pardon. Oh, wiping de maïs. Ça me va très bien. Parti à pied ? Oh, du oui, à pied, du coton. Oui, j'ai abandonné mon mecha quelque part dans le patelin. Moi, je suis en train de réquisitionner les... agriculture. Oula, c'est très escarpé chez eux. Magnifique, j'ai du coton, j'ai du riz, c'est... Oh là, c'est trop bien. Oula. Ah merde, j'ai pas mis la bonne... Aïe, 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 aïe. Je veux le riz. Merde. Je suis parti dans l'autre sens pour faire la quête que j'ai acceptée. Ouais, 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 ouais. Bon, ok, moi, juste un mob à tuer normalement. Fêter, moi, ça continue. Bah, reviens prendre ton mecha. Non, tu te re-TP à mon vaisseau et puis. Oui, et puis tu redescends sur la planète avec le mecha. T'en fais pas, ça va se faire. Ouh, j'ai un truc à son sommet. Eh oui, c'est obligé que j'ai un coffre. Oh, du tungstène, mais à l'état brut. Du tungstène non raffiné, du minerai. Oui, je me téléporte. C'est la classe. Je veux dire, pourquoi ça bip? Alors, ma planète à moi, j'ai plein de trucs à faire en agriculture puisque j'ai récolté là, c'est la richesse. Et les sons sont trop bien faits dans ce jeu. J'entends des espèces d'oiseaux qui piaillent. Ouais. Sincèrement, j'ai enlevé une oreille du casque pour être sûr que c'était dans le jeu et pas dehors. Ouais, c'est que la pression est extra. Alors moi il m'est arrivé un truc similaire il n'y a pas si longtemps que ça. Bah, le jeu que je faisais avant ton arrivée qui est Far Cry 2. Et je suis surpris mais dans la musique à un moment ils font usage d'une percussion bizarre. Et à chaque fois je crois que c'était des troubles dans mon quartier qui avait un abruti qui donnait un coup dans la porte du garage de la voisine. Et en fait non, c'est une percussion dans la musique du jeu. Donc une fois que j'ai pris conscience de ça, j'étais beaucoup plus serein à chaque fois que je jouais à Far Cry 2. Je plombe tout dans n'importe quel ordre, on voit que c'est le début. Parce que j'avais fait une partie il y a longtemps où j'avais tout bien ordonné sur ma... Quasiment l'intégralité de la surface de ma planète était labourée. J'avais même un tunnel que j'avais creusé en sous-sol pour pouvoir me déplacer à bord d'un véhicule que j'avais, c'était trop la classe. En vrai, on peut se prendre une petite planète comme ta planète de départ, mettre un TP dessus... Et faire tout le tour de la planète en champ, hein. Moi ça me dérange pas. Il y a ça, on peut poser des rails aussi, je sais qu'il y a un monorail qui s'est... Alors ça coûte de la thune, mais une fois que c'est en place, c'est top confort, tu te fais un métro. Avec tes stations d'arrêt et tout. Oh, du tungstène. C'est juste énorme. On va creuser ça, hop. Ah, que j'aille faire cuire la viande que j'ai achetée, l'idiot que je suis en train de perdre ma marchandise, moi. Oui, faire cuire les steaks.
que je mange ça en priorité. Allez, où ? Je me suis fait tous les plats possibles. Nickel chrome. Voilà, pleine bouffe, donc santé régénérée lentement mais sûrement. Merveilleux. Ça me va très bien. Alors attends, en arrière-plan, je vais faire une petite colonne là. Histoire de déposer une torche, qu'on y voit quelque chose la nuit. Ah oui, ça commence à avoir de la gueule de par chez moi. Là, je vais faire un bel escalier. Histoire de bien niveler mes champs. Ya 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 ya. Si vous n'êtes pas agressif, je vous agresse pas. Hein. Surtout maintenant que j'ai plus le mecha. T'en as plus les moyens. Ah, ah, ça parle mal. Tiens, je me mets une chaise là, ce sera bien. Oh, trop la classe, je peux surveiller mes champs depuis ma chaise. La chaise que j'ai achetée chez les Floranes. J'ai stylé. Voilà. Ça doit être dans mon vaisseau que j'ai dû déposer mes planches de bois. Ça doit être la caisse intermédiaire, je crois. Exactement. Bon, là, c'est bien. Ma mémoire ne me trahit pas pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Ah, il pleut comme vache qui pisse. Ce qui m'arrange au niveau de l'agriculture. Voilà, nickel, un escalier de bois, trop bien. Non mais on va pas bétonner la planète, la Jed, t'abuses? Ah, bonjour la Jed. Laisse-moi deviner, il voulait instaurer un parking. Et là, de toute façon, la Jed, il vient, pose un message, et tu le revois plus. Ah, 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 tu peux le captiver avec des sujets de conversation. J'ai déjà eu de merveilleux échanges avec la Jed sur le chat. Ah, je le dis pas, moi aussi, hein. Eh ben, tout ce qui pleut. Impressionnant. C'est bien, ça va pousser. Ça va pousser. Oh, t'as le mint sur un mini PC. Ouch. Alors, cuisson de riz. Faire une vieille lampe en plafonnier là, trop bien. Bop. Stylé. Mmh.
Allez, une petite chaise en bois, une. Pouk. Wow. Ah, je commence à être bien chez moi. C'est cool. Hop, téléportation dans le vaisseau. J'ai trouvé un sur la même planète. Il y a un petit requin qui vient piquer les noisettes. Et j'ai trouvé un une base de la race des singes. Je me souviens plus comment il s'appelle. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme par hasard, il y a des tableaux de bananes accrochés au mur. C'est pas que je veux pas t'aider, mec, hein. Mais en fait, je veux pas t'aider. Alors attends, moi je range mes précieuses ressources parce que si je venais à mourir, ce serait un énorme gâchis. Voilà. Oh, un chapeau violet. Okidoki. Ah, j'ai pas mal de bouffe. Moi, je peux me barrer quelque part. Attends, ça, je vais le mettre dans ma... dans mon chez-moi. Le coffre-là, il m'intéresse. Oui, bah, je vais me mettre là en attendant. Eh ben c'est cool. Ouah, je vais partir. Oh, j'ai trouvé un accordéon. Oh. Ouais, on va te le faire notre boys band, hein, le sage. Ouais, non, c'est extra. Bonjour Christella. Oui, t'as Christella qui te salue. Salut Christella. Ah, je me rends sur une planète désertique. Alulawek. Attends, faut que je me mette en orbite. Oula, il y a des vents dessus. Limité location. Ah, la localisation ne supporte pas la vie. Ibi. Ah oui, ils ont un sens de l'accueil. Wouh! Oulala, c'est très escarpé. Déjà qu'on voit le décor de fond. J'ai bien de trouver un couvre-chef que tu vas kiffer. Oh. Je me fais pas tuer. Oh, c'est... Ah putain, je me suis fait défoncer. Ah, j'en peux plus. Et tu sais, je me suis fait défoncer par des oiseaux qui ont attaqué le camp. Et bien sûr, quand c'est des monstres, alors là, les gardes, ils se bougent pas le cul. Hein. Ah, c'est malheureux. Alors, je vais y aller avec l'Omeka, et s'ils me font chier, je leur tire dessus. Je défonce tout le camp. C'est marrant que tu parles de couvre-chef, parce que je viens de m'en trouver un, je suis bédouin. Bon, mieux fait de taper à mon vaisseau pour avoir ton Omeka. Non. Oulala, là là, on voit que c'est le niveau au-dessus, les bestioles. Là, il faut deux coups et pas un. T'es reparti sur la droite? Je suis parti sur une planète de sable que tu as visiblement pas explorée. Enfin, qui est dans mon système à moi. Et l'aventure, c'est l'aventure. Je peux me le permettre parce que j'ai tellement récolté de bouffe là je peux y aller tranquille, c'est bien, ça fait un peu d'aventure, exploration.
Ouais, bah moi aussi j'étais en train d'explorer la planète là pour voir si je trouvais un autre camp Florent ou Floran ou. Paul Pilon là, je crois. Oula, je me fais peur. Mais après, j'ai deux autres planètes forestières, mais quand j'irai dessus, je te préviendrai pour que tu puisses scanner toi aussi les. Oh oh! J'ai trouvé une prison. C'est une planète prison. Les prisons, c'est cool, les blocs sont très sympas. Des fois, je les démonte. Moi, ce qui me fait peur, c'est que les vigies, eux, me démontent. Les matons. T'es pas descendu avec ton méca? Non, j'ai pas le réflexe méca, moi. Waouh, ils ont des caméras de surveillance. Blaise. Oh là là. Ils ont un équipement. Waouh. Déclenche pas d'alarme, il est marrant lui. Oh, c'est beau, des fleurs suspendues. Oh, du piano. C'est du rap macaque que je m'écoute. Je reconnais, c'est Booba. Ça parle très mal. Merde, celui-là était pas agressif. Tant pis, il est mort. Ah, mais c'est un vrai rap là. T'es fait flipper le garde sur le toit. Je sais pas si vous entendez comme moi. C'est énorme. Ah mais c'est un titre complet quoi. Ah ouais, c'est spécial. Wow, la dictature quoi, le mec général d'armée avec sa décoration qui pose droit comme un i. Dictature. Bon. Eh bien, Boyoul. Oh la vache, elle a une perruque, elle. Elle joue du piano, là, madame? Oh, trop beau. Oh, la jolie fontaine. Oh là là. Ah, il y a des gardes, c'est des stormtroopers, hein, je te jure. Ah non, mais comme dit Christella, c'est la planète des singes. Oh, c'est qui, lui? Ah bah, chez moi, c'est la planète des singes. Ah ouais, c'est... Bonjour le monsieur. Il est où mon stuff? Ah, il est où mon stuff? Il dit, mais qu'est-ce que tu fous? Et... le game suit. Je scanne tout, je connais pas ta civilisation. Oh! Comment dire? J'ai trouvé un portrait de Mona Monkey ou... Ouais, j'en ai un là. Monkey Lisa. Oh, ce kitsch dans le canapé. Oh, le mobilier, il est classe. Eh bien.
Oh là là, même le vaisselier est trop classe. Waouh. Bon, ça j'avais déjà. Bon, ça va pas recommencer. Pigeon, t'es mort. Attends, je suis en train de me dire, mais je fouille pas leur, leur casier. Je fais pas mon cambrioleur comme petit Seb. J'ai pas le réflexe. Ah! C'est pas comme s'il y avait un module dedans. Le truc qui vaut tout l'or du monde. Là, là, là. Oh! Mais c'est un magasin, c'est une officine! Oh, je chippe le pognon. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est si tu vois pas des choses dans le sol. Non, j'ai rien vu de spécial dans le sol. Oh, magnifique. Les supermarchés gratis. Tu te sers, tu payes rien. C'est ce que je suis non, en train de c'est faire. Pour ça, moi. Mais il y a personne dans la superette, les caméras sont à l'extérieur. Attends, il y a un mec qui vient de passer là, c'est un loubard le gars. Il a un look, il n'inspire pas confiance. Ah bah moi j'ai trouvé le caché dans un sous-sol l'écran de con, le l'ordinateur de contrôle. Oui, j'allais dire l'écran de con, tu parles de qui? Oh mon dieu. J'ai le pupitre de commande. Non mais comment je les dépouille, c'est indécent. Non mais moi en sous-sol j'ai rien, j'ai de la terre meuble, c'est tout. Garde, il y a un criminel. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste creusé le sol. Je t'ai même pas attaqué, pourquoi t'as des PV en moins toi? Oh, les petits airs de musique. Allez, faut aérer, ouvre toutes vos portes. Oui, pillage. Je réquisitionne tout. Bonjour, toi. Aïe, il m'a claqué la porte au nez, salopard. Tiens, on va rejouer le rap macaque. Le mec, il dort, ça le réveille pas. Oh, attends, je peux juste pour la prouesse. Oh oui, aïe, 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 aïe. Pas dans les barbelés. Non, sérieux. Oh, pourquoi tu me tag, toi? Ah ouais, je peux passer d'un immeuble à l'autre rien qu'en sautant. Oh, des molotov, c'est interdit. Ils ont pas aimé que je creuse les sols, ils m'ont attaqué. Ah merde, c'est embêtant. Comme tu le dis, surtout qu'ils m'ont bien défoncé les PV, là. C'est où mes soins là? Oh. J'avoue, je veux faire mon petit Seb. Je réquisitionne. J'aime trop le mobilier. Bon, le portrait du mec en macaque. Voilà, j'ai dépouillé. Oh, ils ont une horloge de grand-mère. Je vais juste la scanner, je vais pas la prendre parce que, à mon avis, je suis sûr que je peux avoir mieux. Mais ça a le mérite. Oh! T'as raison! Il y a un truc en sous-sol, je vois un écran. Wow! Il y a une salle secrète en sous-sol. Oh! Ils ont un frigo. C'est bon ça. Mais je peux fermer la porte? Ah, merci. Oh! Seb? Oui? Ils avaient un frigo. Oh! En sous-sol? Non, mais je me suis barré dans le rez-de-chaussée d'une baraque. Je me suis barré avec le frigo, il n'y avait personne. Ça coûte trop cher les frigos, c'est horrible. Je les dépouille. Bonjour monsieur, vous avez rien vu? Oh, stylé lui. On joue du piano. Oh là, mon dieu, j'ai joué tous les airs en même temps. Au score. Ouah, cette armoire. Oh. Oh. Une coiffe super rare. J'ai trouvé une le casquette. Le mec, il me dit, viens acheter des choses. Viens acheter des choses. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre la caisse et je mets des cette immonde. Non mais je suis content, je viens de me trouver une casquette rare, là elle était en violet.
Enfin, encadré violet. Et... Oh putain, mais ils ont des ressources, c'est même pas la peine. Et... tu me suivras pas. Bon. Et... Trop bien. Ah merde, j'ai plus de place. Ah, ah, ah. Ton inventaire qui sature. Oh, mais c'est pas possible, comment je les dépouille? Alors c'est quoi ça? Ah oh non, c'est un béret, je m'en fous du béret. Je pense qu'il y a 600 de pixels de... De tunache. Bonjour, madame macaque. Quoi, j'ai toujours voulu avoir un camarade glitch. Ah bah, enchanté. Oh, laissez-moi vous jouer une sérénade. Non, c'est pas ça. C'est pas grave, oubliez. Oh, ils ont encore un frigo. Oh. Hop, ils ont rien vu. Oh, la radio. Ça, on pourrait en avoir un chacun. C'est ça. Oh, le rap macaque. A chaque fois que je tombe sur une platine... Oh, un aquarium. Oh, oh là là, c'est bon. Dommage que j'ai pas de place. Oh, une gazinière. Je veux la gazinière aussi. Je veux une cuisine toute équipée. On n'a rien vu. J'ai réussi à piquer un frigo, moi aussi. Même le meuble, il est bien. Allez, hop, l'aquarium. Hop, le portrait de la balle. Vous n'avez rien vu. Tiens, hop, et puis j'ai pas de lit dans ma baraque. Allez, hop. Avec un lampion, hop. Allez, je suis correct, je vous laisse les rideaux. Ah, ah, j'ai des arbres à yeux. J'ai des arbres à yeux. J'ai des arbres à yeux. Oh, quelle horreur. Mon Dieu, il y a des choses dans l'univers. Hop. Allez, je me barre chez moi parce que là, j'ai fait mon cambrioleur, mais c'est une horreur. C'est indécent. Alors, on partage notre butin, t'es où? Là, je suis toujours sur la planète. Ah merde, je me suis déporté à côté de toi, ouch. Où suis-je? Ah, oula, 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 recule, 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 ah, parce non, que mais... lui, il est costaud. Oui, non, mais moi, je me barre, oui. J'avais espoir que tu sois pas en milieu hostile. J'ai pas le... Non, je vais revenir sur ma planète, moi. Je les ai suffisamment dépouillés. Je reviens sur ma planète. Je crois que c'est celle-là, hein. Ou c'est celle-là, je sais plus. Ah mon Dieu, quelle est ma planète d'origine? J'ai oublié. Tant pis, on va aller là. Ah. Je me souviens pas de cet alignement blocs. De planète. Il y a des blocs œil au sol, c'est immonde, j'adore. Attends, moi je suis en train de me dire que je me suis trompé de planète, je suis dans la planète voisine à la mienne d'origine, et en fait il y a des trucs vachement intéressants dessus. Si, les pétales, c'est vrai que c'est important, parce que les pétales, on les colorant plus tard, on fait des trucs magnifiques avec. Oh, oh! Mais que signifie un matelas de campeur? Il y a une bouteille de whisky et un petit lampion. Mais c'est merveilleux. Oh, il y a des lapinous qui... Voilà, qui sont pas très futurs. Mais... Ah, merde! Et là, nous avons déjà jeté... Merde, non, je voulais pas lancer les couteaux. Je me suis trompé d'arme. Ah, les ennemis dans les fleurs, j'ai du mal à les repérer. Ah merde, je rentre. Je rentre. La nuit arrive. Mais c'est la molle qui t'a chachiné, ma tâche. Ah, quelle horreur! Un ennemi massif et je rentre aussi. Ouh là là. Faut que je me mette une caisse. Je disais ça. Merde! C'est ce que je voulais faire. Attends, je me mets en orbite de la bonne planète, je crois. Non, c'est pas la bonne, c'est l'autre. Le mec qui fait des allers-retours dans son système solaire.
Là, je crois que je suis sur la bonne lune. Là, c'est ma planète d'origine. Dis-moi que c'est ma planète d'origine. Oh oui! Mon chez-moi. Mon chichan bien. Wow! Wow, la récolte dans mes champs, trop bien. Je vais avoir encore trop de bouffe. Bah, j'ai t'as des frigos maintenant. J'ai du maïs. Oui, je les ai même pas encore posés, figure-toi. J'ai surtout des nouvelles graines. Et pas qu'un peu. Là, je peux faire du coton maintenant. Ouais, moi j'en ai déjà fait. Attends, le coton, je le mets à l'opposé. Donc, très important le coton pour l'artisanat. Là, j'ai des plantes extraterrestres. On verra ce que ça donne. Là, j'ai du riz à planter. Le riz, j'en mettais par là-bas. C'est bon. Alors, le feu de camp pour... Ah, attends, j'ai une gazinière maintenant. Oh, j'ai installé ma gazinière que j'ai honteusement volée aux hommes macaques de la planète des singes, comme disait Christella. La 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 la. Non, j'ai trois frigos. Ah ah. Il y en aura un bonus. Moi, j'en ai récupéré deux, alors. Oh, j'ai même shippé l'aquarium. J'ai honte, mais c'est beau. Alors, attends. Que je me fasse un escalier. Ouais, de 5, c'est pas mal. Comme ça. Oui, alors il faudra que je change mon système d'éclairage, hein, parce que le coup de la torche, là où il y a du bois, ça fait pas crédible. Mais bon, ça... Alors ça, c'est le genre d'erreur qu'on peut pas commettre, enfin, encore que dans Minecraft. Si, il y a une tolérance, étrangement, avec les torches. Bah, ça dépend. Ça dépend ouais. De ce que tu fais. C'est vrai que si c'est les blocs des enfers, là, effectivement, ça flambe méchant. Et il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, dans ma partie que je me fais régulièrement les soirs, hors antenne, pour me détendre, j'ai recommis l'erreur de déclencher un incendie qui m'a causé pas mal de dégâts. Mais bon, ça fait partie des règles du jeu. C'était bien fait pour ma tronche. J'ai mal géré mon truc. Alors, est-ce que je me fais du un coup, balcon? À la base, j'ai posé deux frigos. Des frigates. Burp. Allez, je fais ma cuisine. Et il y en a un que j'ai mis pour le popcorn. Donc t'as ton propre frigo, on est d'accord? Ouais. Ok, donc moi je garde les trois à moi. Oh, la gazinière, magnifique! Laissez-moi cuisiner des plats de luxe. C'est plus confortable que le feu de camp. Ah, trop bien. Pouk. Du coup, le feu de camp à la base de ma baraque, c'est pour le chauffage maintenant. Tout un symbole. Ah, je peux conserver ma viande. Génial. 32 emplacements par frigo. Eh ben, c'est bien. Ça m'en fait 96. Oh là là, trop bien. Alors, mince, comment je fais pour dire... Non, j'ai mangé le truc alors que je voulais pas. Oh, c'est pas grave. Ouais, donc c'est ce que je dis, j'ai un frigo où j'ai mis tous mes trucs de bouffe et un frigo où j'ai mis le popcorn. Donc le frigo, il y a le popcorn, tu peux te servir parce que c'est ce qui nourrit le plus toi. Oui, merci. Oui, bah c'est bien là, j'en ai 10 sur moi des popcorn. Attends, je me méfie parce que je vois des bestioles passer. Ah oui, il faudra que je mette une porte quand même. Regardez-moi cet aquarium. Faudrait que je me fasse un salon. Oh, trop stylé. Oh oui non, faudrait que je réorganise ma baraque là, parce que j'ai fait un peu n'importe quoi au niveau... Ah!
Au niveau aménagement. J'ai fait un peu nimp. Tac 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 tac. Voilà. Donc, bah comme l'autre, l'escalier, je vais le mettre là. La patine, escalier. Pouk. Ah! J'ai fait des bêtises. Non, j'ai pas mis là où il fallait. Yop là! Bon, ça ressemble vaguement à quelque chose. Vaguement. Vaguement. Oui! Oh, j'ai mon petit balcon. J'ai stylé. Attends, je vais rajouter une case parce que je... voilà, sinon je tombe. Très bien. Petite torche. Pouk! Éclairage parfait. Ah, mon petit chez moi. Alors, je vous rassure, hein, dans l'arrière-plan, je vais pouvoir poser des fenêtres, mais il faut que je retourne sur la planète de sable. Que je me fasse du verre à gogo. Et là, il faudra... Oh, pardon. Ce sera moins austère. Ce sera moins austère. Eh bien, j'ai plus d'averse sur ma planète. Que signifie? Les récoltes vont pas pousser, là. Ça veut dire que tu dois taper l'arrosage. J'aimerais éviter. Ah, j'ai pas posé mes sièges... rétro... Je file faire ma Valérie d'Amido. Pour une fois que j'ai du matos. Mon salon... Je veux un salon... Oh, top confort méga groove. Ah oui. En plus, c'est un grand siège, c'est presque un canapé, là. Quelqu'un peut s'asseoir à côté de moi. Ah oui, non, c'est le canapé que j'ai pris, carrément. Ah, j'ai un doute. Ouais, dans les proportions, c'est subtil. Et là, du coup, l'aquarium, je le mets à l'étage au-dessus. Si ça, c'est ma cuisine, autant mettre l'étage. Mettre l'aquarium au-dessus. Mais qui, toi ? Pourquoi tu veux m'attaquer ? Voilà, là, c'est... Où t'es mort ? Où t'es mort ? Alors, note pour soi-même, rajouter un poisson dans l'aquarium. Ah oui, le super chapeau là que je voulais montrer au sage. Oui. Hop. Poste. Bah oui, tu peux me rejoindre si tu veux. Oui, le oui. D'une banane, c'est la cousine. Je dois d'abord vendre quelques objets. Je mets un petit lampion. Ah, oh, merveilleux. Bah du coup, je peux retirer mes torches. Le lampion, il éclaire à mort. Vas-y voir que je retire les torches. Ah oui, il éclaire vachement bien, le lampion. Très bien, j'ai plus besoin de torches en intérieur, dis donc. Voilà, là, ça fait cohérent. Ton épée, elle fait combien de dégâts? C'est celle que tu m'avais donnée. Je crois qu'elle faisait 11, 12. C'est une épée de main? Alors attends, si c'est la bonne, demain elle fait 12,9 de dégâts. Non, j'ai une nouvelle demain à 13,3. Mmh, ouais, bon, je garde la mienne parce que j'ai un effet glace, je crois, avec. Ouais. Non, c'est gentil, je suis content de ce que j'ai. Bon, bah je la vends alors. Oui, tu peux. Fais-toi de la tunasse. Ah, bah ça commence à prendre forme, mon petit chez moi. C'est-il pas beau? Mais ouais, retourner sur la planète des singes, là, avec le sable. Oui, j'ai la faim gérée. Oui, j'ai l'alarme. Oui, alors ce cube, j'ai ce cube mystérieux. Ah merde, je me suis fait bobo. Que je vais mettre là.
Non, je peux pas. Alors, miamon de la bouffe. J'ai un fusil à pompe électrique, ça te t'intéresse? Oh, ça peut être sympa, je veux bien. Merci. Oh, magnifique. Je me repose sur mon canapé. Il va falloir que je fasse un coffre pour tous les stuffs avec un design débile qu'on puisse les garder et faire les cons quand on veut. Alors plus tard, quand on aura des grands vaisseaux, on pourra avoir des containers de ports dedans et ça sert vachement pour écumer des planètes entières, des systèmes solaires entiers. Même c'est horrible, mais c'est la logique du jeu. Et démarrer toujours, moi je vais pas tarder à le faire quand j'aurai fini ma baraque, me faire un hangar en sous-sol ou en surface, je verrai, de ma planète, pour effectivement avoir 50 caisses et pouvoir ranger des milliers d'objets. Parce que vous avez vu la richesse de ce jeu, il y a tout à collectionner, tout. Rien ne se jette dans ce jeu, c'est merveilleux. Tac, donc ça c'est pour toi, ça je vais stocker sur le thème, je vais stocker sur à la base. Ah bah ça va être la caisse d'instruments, hop, ça c'était quoi? Ah bah. Oui, alors j'avais dit que j'irais sur l'autre planète voisine parce qu'il y avait des choses intéressantes à y extraire et découvrir. J'ai pas exploré la planète voisine. Comme ballot. Non, c'est pas ça que je vais faire. C'était ça. Hop, vas-y que je me barre sur l'autre. Parce que là, j'étais intrigué sur cette planète. Il y avait des choses à faire. Ah, peut-être y aller en mecha comme tu fais toi. Ah, de ton water cooling. Ouais, bah ça c'est cool. C'est cool la jet. TP sur le sage. Ah bah là je suis en train de faire une sortie mecha alors. Ouais mais c'est pas grave. Regarde moi le super design de mon chapeau. Ah oui. T'as vu ma casquette? Ça, j'ai un ça sur la tronche. Non c'est original. Et moi j'ai la casquette. On va faire ma fleur. Oh! Bon, il y avait rien au fond. Végétal. Oh, ça c'est trop cool! Tu sais le truc là que je t'ai donné pour respirer? Oui. Bah, du coup, t'as plus besoin d'oxygène sous l'eau. Oh! Ah, bah oui! Oui, de facto, oui, t'as plus l'apnée. Oh merde! Ah! 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 J'ai pas sorti mon épée, t'es con, je l'ai pas préparé dans l'inventaire. Faute stratégique majeure. Oh là là! Il nous fait un son et lumière, petit Seb. Il est redoutable. Mais t'es sur ta planète d'origine là? Non. Ça, c'est la planète à côté de la mienne d'origine. C'est ça. Ah bah, il y a un autre portail pour le loot post. Oui? Mmh. Attends, le riz, je le réquisitionne. Oh la vache, le relief, toi! Vas-y, escalade. Ah, ouais, j'ai chipé le riz. Oh la cheminée! Oh, il y a des fibres.
fibres végétales, je réquisitionne. Je réquisitionne. Bon. Oh, oh le pigeon, t'as pris cher. Alors... Oula. Ah, Arthur, c'est la nuit. Et j'y vois pas grand chose. Ah, coton. Le coton. Oh merde. Wow. Il m'a fait peur l'animal. Oula, là il y a des plantes à... Vache. Oh, piquineur de Pokémon de mes deux. C'est fou, mais il faut se dire que la planète en arrière-plan, c'est la mienne. C'est ma planète d'origine. C'est beau. Ah ! Bonjour le fantôme. Ouais, des écuries là. Ouais, je peux plus ressortir là. Ouch. Oh, je me fais patater alors que je suis sur le feu de camp. Fini, oui. C'est scandaleux. Oh là ! Un fantôme chat, là. Ils sont terribles, ceux-là. Devenu un peu trop puissant, je crois. Voilà, y a plus. Oh, Kizako. Sympa. La 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 la, je me refais de la vie en étant assis. Voilà, que j'arrive à me faire un escalier avec des plateformes en bois. Quand même. Ah, des petits champignons mignons. On les a récoltés. Oh. Ils sont nombreux.
Vivement qu'on avance au niveau technologique là, parce que là les mobs ils commencent à me faire chier dans les champs là. Attention, faut pas toucher les spores. Oh, je me disais que tu serais passé par là et que t'aurais dépouillé, mais non. Mais je suis plus sur ta planète depuis un petit moment. D'accord. En fait, j'ai avancé, j'ai récolté les trucs sans piquer les graines. Ouais. Je te les ai laissés. Oui, merci. Je leur chie très bien leur lampe de chantier. Bah, je ferai ça plus tard. C'est pas un besoin. J'ai acheté ça, moi, surtout. Alors, y a rien dans les caisses. Oh, y a rien dans leur matos. Ah, y a un petit peu de thune. Un petit peu de thunage. Oh, j'ai un poignard. Une dague qui fait choc électrique. 3,2. Ça a le mérite d'exister. C'est barbare, mais ça a le mérite d'exister. Ah, je t'ai pas filé le fusil à pompe. Oui, c'est pas grave, tu me le refileras à l'occasion. Attends, moi je suis en train de dépouiller les caisses de la mine. Oh là 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 là. Alors, je n'ai pas de lance. Fais gaffe, c'est... ouais, très très grave. Oui. J'aime bien parce que sur ton icône, je vois ton perso en train de pleurer. Tu m'étonnes. Salut Momoka, et effectivement, oui, on joue un peu les agriculteurs de l'espace. Bonjour Momoka. Non mais là, on a... Moi, j'ai révisé la signification du mot douleur parce que je viens de me faire gambanguer par 4-5 chauves-souris d'un coup. D'où ma panique. Non, mais je suis passé à pas grand-chose d'y rester, là. Le gangbang de la mort, quoi. Comment tu vas, Momoka? Ah! Je vois des choses... Éclairez-moi tout ça. Éclairez-moi tout ça. Ah. Ah oui, c'est le fameux boss. Eh oh, calme-toi, le boss. Ah! Mais non, mais je vais me faire buter. Ah bah oui, ça va faire chaud, il fait chaud. Hein. Mais! Porte à la CON! Cette porte. Tu veux dire le mot, hein, c'est pas choquant. Non, mais elle s'ouvre pas, alors que j'ai le truc qui clignote interaction, il se passe rien. Ça me bouffe. Ah! Ouais, les petits là. Vont mourir les petits. Allez hop, quête d'un coup. Hop, allez hop. Je suis passé sur la planète suivante, le sage. Je t'appelle si je trouve un village floral. J'attaque le boss. Ah, qui a essayé de me griffer. Ah bah. Spawn à côté d'une maison de singe. Aïe! Il a une sacrée portée avec ses griffes, le salto. Ah bah ça va, tranquille. Merci. Là là là. Et encore, je n'ai pas mis de coup parce que c'est encore pire. Oui, non mais je devine. Moi je faisais du haut plaisir par pur masochisme. Enfin, sadisme, pardon. Merci. Alors, Kezako. C'est le pompe électrique. La pompe de la mort était...
Bah, tire pour voir. C'est de la courte portée. Ouais. Enfin, c'est de la moyenne portée. Non, c'est de la longue portée. Ça fait grenade aussi. Burp. Oui, il faut tout inspecter les caisses. Merci. Oui, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Voilà, la porte à la noix, elle veut pas s'ouvrir alors que. Ah. Bolélium. La 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 la. Ah! Petite. Aïe! Je te couvre! Bah oui, je vois. Et oublie pas aussi de péter tout l'épaule, là, ça sort des pixels, ça fait de la thune. Et bah prends la thune en pixels. Oui, bonjour, bienvenue Momoka, oui merci pour la fidélité. Je viens de le voir dans mon retour de chaîne. Alors attends que je pose des torches. Oui, il y en a du matos à shipper. Il y en a des choses. Bon, attends, ça manque d'éclairage. Wow, il y en a des caisses. T'as vu ça? Ce conglomérat de caisses. D'ailleurs, c'est simple, je me demande si je vais pas toutes les prendre. Comme ça, je ferai mon entrepôt et puis basta. Ah bah moi, c'est ça que j'ai fait. Enfin, j'ai pris que les grosses, moi, à chaque fois, comme ça. Mmh. D'ailleurs, t'en as encore plusieurs grosses dans le truc du boss. Ça, hop, je réquisitionne des caisses. C'est pas perdu. Je ferai mon hangar sur ma planète. C'est bien, on avance tout doucement. Tranquille, peinard, pépouze. Ça fait plaisir. C'est top relaxation. Ah, il y a un endroit où t'as pas fouillé là. Oh oui, c'est probable. Bon allez, moi je sors d'ici. J'étais en train d'essayer de trouver le reste des florans. Mmh. Non, moi je m'étais dit, il faut que je retourne sur la planète de sable pour en récolter un max et faire du verre. J'aime bien parce que toi, du coup, t'as une deuxième planète de départ dans ton... Dans mon système solaire, ouais. Ouais. J'ai top confort. Ah, il me faudra un frigo de plus. Oh, déjà ? Non, bon, non, hein. Non, mais c'est que je pense qu'en fait... Le truc qui peut être bien, c'est d'avoir un frigo dans le vaisseau en plus. Parce que comme ça, tu te TP au vaisseau, tu déposes les trucs qui craignent et tu peux repartir tout de suite sans avoir forcément à passer par la base. Oui, avec le téléporteur dans le vaisseau. Oui, oui, non, mais je suis d'accord, ça va vite, hein, mais c'était juste comme ça. Oh, une autre dague qui fait effet flamme, effet brûlure. Il y en a des choses. Non, attends, ça c'est mon arme principale, je vais peut-être la garder. Ah, une lance qui fait glace. Une lance qui pète. Oh. Ah, pardon, on n'est pas dans les mignons. C'est gros ça. Ah, j'adore. J'adore. T'as mon stream d'ouvert ? Non, non, mais j'ai entendu un son qui fait presque coussin péteur. Non, non, c'est pas ça du tout. Non, mais je regarderai la rediff à l'occasion, t'en fais pas. Mais là, non, je peux pas. Non, mais c'est juste pour te montrer parce que ça me fait kiffer. Ouais. Ouais, tu passeras à la base, tu verras. Mais oui. Mais coucou, tu es une scène. Salut. Du coup, nouvelle planète, je dis. Mmh. Attends que j'atterrisse dans ta base.
Ah! Waouh! Ok, tranquille. Tu peux déjà expédier tes produits finis. Oh là là. Ce luxe. Bah comme j'ai vendu un peu toutes les armes que j'avais, ça m'a fait pas mal de pixels et j'ai pu... Alors là, bravo monsieur. Moi je retourne dans la base du coup. Ah, il fait nuit chez moi. Arteux, c'est la nuit. Alors, petit champ. Encore du coton. Du riz à planter, c'est ça qui est beau. Donne-moi des pixels, toi. Pied de maïs. Ah non, mauvaise idée. Et du blé. Tu sais, j'ai eu un tic-tac surprise là. Là, le précédent m'avait brûlé, moi. Ah bah, moi, il a largué des bombes. Ouch. Oui, mais parfois, c'est des bombes, tu sais, qui génèrent du minerai. Non, 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 là, c'était des bombes explosives. Ah, merde, c'était les... Ouais, ok, ah, pas de bol. C'était des vraies bombes. Mais je m'étais éloigné d'avance, en disant, ah, je le sens pas bien. Bah, toujours. Toujours avec ce genre de... Bah, le problème, c'est que si tu fais du soin et que tu t'éloignes trop, bah, tu... ça risque de... salut, mec, hein. Je t'ai piqué ton tonneau à bière, hein. Parce que le sage il avait soif, c'est de sa faute. Ah. Oh, je vais faire mon entrepôt ici, moi. Je vais faire mon entrepôt ici. J'abats les herbes en surface, après je ratisse large, on va dire, au niveau de la colline. Zordi en ratisse gratuit. Bon, attends, je récupère ça aussi tant que je suis. Je vais me faire un hangar. Ah bah je me suis fait empoisonner. Oh. Ah oui, je vois ta barre de vie qui diminue. Ouais, pas qu'un peu. Ah, un Pokémon. Un Pokémon de feu. Pokémon, attrapez les douches. Ah, la pluie arrive. C'est bien pour l'agriculture. Alors, mais pourquoi est-il si méchant? Parce que... Alors, revêtement du sol. Que je te mette de la loche. Voilà. Ah mince. Il y a ma torche posée là qui pose problème. C'est vrai que je suis dans le méca, c'est bon, je crains pas les chutes. In the méca. Et ben voilà! J'ai déjà déposé mes premières caisses de stockage. Oh là là, c'est. Il y a plein de coffres génial. Partout sur cette planète. Oh, c'est quoi ça? Bah,
Oh, une clé USB qui nous met résistant au froid. Oh, la clé de l'antigel. Ah, ça c'est sympa. Début d'entrepôt. C'est cool. Alors, que je te replante les sapins, que j'ai un peu de verdure quand même. Enfin, si je peux. Non, bah je peux plus, c'est de la roche. C'est de la roche. Voilà, le déluge. Mais non, mais... Oh. Allez, la pluie. Ouch. Ah oui, alors là, de la flotte, on en a... Tiens, vas-y voir que je creuse le... Ouais, le fond du puits. Vas-y voir. Ça, il y a l'eau qui tombe dedans. Ça va dans la cavité inférieure. Oh, les pauvres poissons, ils vont crever. Merde, ils se retrouvent sur le... Ah, la terre ferme. Je suis un monstre. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, la pluie a rincé. En fait, j'ai une pluie tellement battante que ça a arraché mes plants du sol. Je les ai retrouvés dans l'inventaire. Il y a eu un ruissellement. Violente, ta pluie. Ouais, le ruissellement était tellement important que, hop, je suis un sinistré climatique, monsieur. Je vais faire jouer mon assurance. Ma récolte est gâchée, sniff. Allez, un petit peu arrosoir, parce que là, c'était un... une portion qui n'était pas exposée à la flotte. Voilà, c'est bien, ça va pousser. Alors, des escaliers. Voilà. Oh, mais j'ai des... Mais regardez-moi. Ils font les nigos sur mon nouvel entrepôt. Oui. Rapport. Oui, il y a d'ailleurs au niveau bouffe, je suis pas rassasié, ça va pas. Que je refasse le plein d'énergie. Hop là, nickel. Nickel, nickel. Alors, la planète qui propose du sable pour avoir du verre. Que j'y fonce. Que, hop, voilà, je prends mon arme. Alors, tableau de bord du vaisseau. Ouais. La planète de sable. Oui, non, je sais pas, j'ai pas forcément besoin de l'indexer dans mon tableau de bord, mais... Ah bah voilà, les bombes qui créent le minerai. Mmh. Non, y a rien. Ah. Ah, celui qui donne plein de pixels. Mmh. Bon, ça en fait que 90, mais... Toujours ça de gagner. Ah,
Mais il est énorme ce Pokémon. Oh là là, les bestiaux! Attention, je vais finir par crever, mais il faut que je fasse gaffe. Oh mmh. Donc c'est bien, ça me nourrit bien. Mais c'est pas du ouais, sandstone, sandbrick, il me dit, mais le vrai sable, il est où? Ah bah il est là. Ah bah je vais creuser tout ça là. J'ai du sable. Ah, je pense que j'en aurai suffisamment pour faire du verre. T'as rien que ça. Ouais, oui, faut pas déconner. À bord de mon vaisseau, je peux faire des vitres, non? Oui. Et ben, c'est pas si évident que ça. Ah bah non, fou que je suis bête. Je peux pas tailler du sable, l'abruti que je suis. Il me faut un fourneau. Fourneau qui faut. Oui, non mais je vais venir te voir. Comme t'as du matos. Je vais venir te voir. Allez, ta base. Oh, je viens de trouver une base scientifique. Ah, il me faudra un téléporteur ici, ça serait cool. Attends, c'est mon vaisseau ou c'est... Ah non, c'est mon vaisseau. C'est mon animal de compagnie qui me saute dessus, Joa. Alors, attends. Alors, c'est une base scientifique abandonnée. Hein. Ah bah, c'est encore mieux. Tu peux te servir sans scrupule. Mais fais gaffe à ce qu'il n'y ait pas des pièges. Hop, un codex. Ah, il y en a une qui est décorative, c'est pas du stockage. Ah oui, mini fridge. Là, tu parles. Comment je fais pour faire mon four, moi? Attendez. Ah, primitive furnace. Ah oui, il me faut un feu de camp. Voilà pourquoi il n'a pas proposé. Hop là. Ah oui, c'est pas comme si j'avais 15 tonnes de minerais à fondre. Je vais avoir les 5 types de lingots. Tungstène, argent, fer, or et cuivre. Bah or, si t'en as 10, t'arrives à en faire 10. Je vais te dire ça. Déjà de fer, j'ai pu en faire 15. Ah non, l'or ce sera que 4. Mais c'est déjà mieux que rien. Ah, le verre. Voilà.
Magnifique. Oh, je peux optimiser mon four. Il me propose le niveau dessus. Ah oui, c'est vrai, je viens d'avoir une notification. Ils inaugurent la convention Twitch à Paris. Ils viennent de commencer à émettre, là. J'avais complètement oublié que c'était ce week-end, la Twitch Conference. Ouais, bon, bah, tant mieux pour eux. Oui, bah oui. Waouh, je peux faire plein de nouveaux trucs. Ou pas. Alors, Duracell Bar, Volatile Powder. Bah, Volatile Powder, oui, je pourrais m'en faire avec ce que j'ai. Non, c'est les barres de Duracell que j'ai pas, mais ça viendra. Ouais, alors le... La base scientifique abandonnée, il y a tout un niveau en dessous. Oh. Ah, il me manque un... Attends, je dois l'avoir dans mon vaisseau, c'est pas possible. Attends, il faut que je corrige une petite erreur de conception de ma baraque. Qui est la suivante. Voilà, que j'arrête de me cogner, ce serait bien. Ah, bah c'est bien, il pleut. C'est ce qu'il faut pour mon méchant, moi. Voilà, je marche bien sur mes champs pour être sûr que ils prennent la flotte. Que ça pousse et que ça me fasse de la bouffe. J'ai dit quoi? J'ai dit qu'il me fallait du minerai d'argent. Où est-ce que j'en ai rangé? Non, j'en ai pas en rab. Oui, ça, du coup, je peux le ranger. J'en ai plus besoin puisque je l'ai dans ma base. Ah, ça, par contre, il faudra que je le ramène dans ma... Bah, dans ma base, justement. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Tu meurs. Ah, t'as des ennemis au chien. Du liquide vert. Du liquide vert. C'est de l'acide. C'est de l'acide, normalement, le liquide vert. Hic, pardon. Non, c'est du liquide empoisonné. Ah, c'est du poison, c'est même pas de l'acide. Décidément. Merci le mob d'avoir sauté dans le poison. Hein. Attends, moi il faut que j'essaie de mettre la main sur du minerai d'argent, parce que je suis à deux doigts de me déverrouiller une technologie. D'argent? Ouais, ou je crois, je sais, ou de... Non, de fer. Non, je sais plus, enfin bon, bref. De toute façon, là où je suis, c'est très intéressant. Il faut juste que je fasse gaffe aux hostiles. C'est dit, moi je suis en train de faire la base, j'espère que j'aurai assez de place pour tout récupérer, mais ça, c'est pas gagné. Ouais, ouais. Plus je descends, plus c'est grand. Oh, mais il y a une quête à me proposer, ce monsieur. Il a des caisses à se faire dépouiller, le monsieur. Il a des choses. Qu'avez-vous à me dire? Ah, il a même des toilettes. Mon collègue samouraï. Oui, quoi? Dans l'entrée des ruines Iloti. Ah, il y a un château Iloti sur la planète. Tiens, je veux bien essayer de faire sa quête. Je sais pas si j'aurai le niveau, mais bon. Ouais, il a des molotov, il a de la thune. Lui aussi, il a un frigo. Oh là là, il a des choses. Il a des chiottes. Incroyable. Il a ce confort que je n'ai point. Moi, je suis obligé d'aller déféquer mes boulons entre deux buissons encore. C'est triste. Oh, ce corbeau. Ah, bah j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Merveilleux. Oh la vache, tempête de sable, c'est redoutable.
Ah non, c'est du tungstène. Je me suis trompé. Mais c'est pas perdu. C'est du tungstène. Ouais, oui. L'argent, c'est une boule argentée, alors que le tungstène, c'est... Des triangles. Ouais. Allez, vas-y. Bon, je vais essayer de continuer à fouiller cette planète là parce que je viens de mettre la main sur un filon. En fait, j'aurais aimé finir de scanner du charbon. Il faut avant d'arrêter le stream, mais je suis pas sûr que ce soit réalisable. Oui, fais gaffe, oui, on est à moins 10 de. Il soit 11h, effectivement. Ah là là. Ah ouais, mais le sable là. Réquisition du sable, excusez-moi du peu. La 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 la. Ibi. C'est ça l'eau qui soigne, non? Enfin, je crois. Non, c'est de l'eau normale. Oh, il y a des roseaux. C'est joli. Ouah! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est le peuple des hommes oiseaux. Les hommes piaf. Oh. Ouais, là, il y a des trucs en... engloutis. Oh, j'ai vu un joli petit oiseau. Ah. Ah, moi aussi j'ai le droit à mon labo abandonné. Oh vache. Il y a leur leader, leur dictateur, super macaque, big ape. Wouah. La question c'est, est-il vraiment abandonné? Bah, la question est pourquoi il y a... oui, attends, il y a des racines dans les locaux qui ont poussé au plafond. Le truc a été abandonné depuis des années. Non, par contre, il y a un cerveau qui est conservé dans du formol dans un bocal. C'est trop flippant. Oh, j'ai une lampe lave. Comme il y avait au début, tu sais, la conférence, là, la cérémonie de diplôme. Oh, ils sont des armoires de scientifiques en métal. C'est pour moi. Ce sera pour mon futur labo à moi. Oh, l'ordi, tout, tout est à moi. Oh, le siège à roulette aussi. La porte de labo aussi. Je réquisitionne tout. Par contre, je prends pas leur lampe qui pendouille. Oh, une bouteille de champagne. Quelle délicate attention. Ah bah là aussi, il y a un frigo. J'ai même un lavabo. Magnifique. Lavabo réquisitionné. Vous avez pas des chiottes, les gens? Je prends vos chiottes. Je veux vos sanitaires. Oh, un serveur. Bon, le gros... Ah, t'aurais été un bon titre. À la recherche des chiottes de l'espace. Ouais, le trou noir commun à tous. Et splouch, c'est dégueu. Voilà. Dans le haut-parleur, j'en veux pas. Ah, ne pas entrer, mais bien sûr. Oh, il y a une chauve-souris de la moelleté qui est dans le sous-sol. Je viens de retrouver un cœur de téléporteur. Cool, on pourra en acheter un autre. Cœur de téléporteur. Oh, je descends dans les sous-sols interdits. Et je vois rien. Ah, j'ai entendu qu'il y avait des... Mais
Oh, il y a une brèche. Le labo a été pris par les eaux. Aïe! Aïe, 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 aïe. J'aime pas la bestiole qu'il y a au fond. Attendez. Je connais cet endroit. Voilà, là au moins j'ai de la lumière. C'est déjà ça. Et ben je... Ah! Mais depuis quand ils montent, eux? Je savais pas qu'ils avaient la capacité d'escalader. Je croyais que c'était des rampants, moi. Ah, les vilains. J'allais mourir. Ah, j'en ai eu un. Ah, j'ai le deuxième. Nah. Alors, il y a quoi là-dedans? Ah bah, il y a rien. Non, mais je réquisitionne. Parce que c'est du matos gratos. Alors, pour le moment, je peux pas choper les liquides. Mais ça viendra. C'est une amélioration non, du faut... manipulateur de matière. Ah bah tiens, moi je peux le faire. Eh bah, voilà. Fais-le. Ça y est, c'est fait. C'est tout bénef. Ah, je vais pouvoir prendre le poison et en mettre dans ma base. Exactement, c'est horrible. Catastrophe. Oh mon dieu. Il y a un homme singe qui me fait face. Oh, il est pas... Ouais, mais c'est pas un zombie d'homme singe. Je sais pas, si c'est possible, mais il est pas coriace, je trouve. Là, je me le fous au flingue. En plus, il est débile. Je suis au-dessus de lui, il est même pas capable de ni de grimper ni de sauter. C'est un macaque débile rampant, je l'ai neutralisé sans souci. Oh, cette fiole. Il y a des néons rouges au plafond. Je les veux, c'est ma couleur favorite. Mais le problème, c'est qu'on n'y voit plus rien maintenant que j'ai arraché les... des luminaires. Au secours. Je suis obligé de remplacer avec mes torches. Qu'est-ce que c'est que ce labo Zegré? Ah mais c'est un centaure. Oh magnifique, je suis riche. J'ai un distributeur de flotte, un microscope. Oh, un nouvel ordi avec le bureau tout intégré. C'est pour moi, c'est pour ma future base et mon centre de recherche. Oh oui. Ah, merveilleux. Oh, je veux voir une base d'une qualité. Oula, j'ai bien fait de pas mettre le pied dans l'eau, il y a des barbelés en dessous. Mais qu'est-ce que... Oh merde, une chauve-souris qui... Ah, des chauves-souris. Ah! Oh! Il y a un champignon phosphorescent. Oula, faut que je fasse gaffe à ma vie, moi. Attendez, je vais bouffer. Oh, poulet. Oui, mais il est pas... Si, il est rôti. Moi, je m'en fous, je l'ai bouffé, je suis un robot, même cru. Bouffer. Énergie de secours, comme dans Terminator. Hop, allez hop. Ça aussi c'est bouffé, c'est merveilleux. Oh. Vraiment débile, mon ennemi. Incroyablement stupide, j'en suis choqué. Il y a encore un énième sous-sol. Ça n'arrête plus. Je m'enfonce dans l'antre du démon. Mais à quoi servait ce labo? Tellement étrange. Ah, là, il n'y a pas de porte. Ah. Oh! Il y a une chauve-souris. Va mourir. Je mets un feu de camp pour distinguer de la masse. C'est bien, quand j'ai ouvert la porte, ça a ouvert la lumière. Oh!
Un coffre de haute technologie, high-tech chess. Et attends, moi, tout ce qui est stockage, je ramasse. Bah oui. Comme ça, on pourra faire ce qu'on veut après. De nouvelles à t'annoncer, il est déjà 11h, mon cher petit Seb. Ouais, je viens de dire ça. Mais je viens de trouver un lance-roquette, alors c'est pas grave. Ah bah oui, effectivement. Ah, j'ai plus de place. C'est moche. Bah, j'en ai pas besoin, ça restera là. Réquisition de matos. Putain, mais c'est trop bien, j'adore. Oh, mais c'est un lance-roquette de glace en plus. Ah. T'as l'autre, comment qu'il a grimpé sur la porte. Oh, quelle horreur. Il y a le super écran de Big Hope, le super boss. Ah. Leur maître à tous. Oula, il y avait de l'acide au-dessus de moi. Ah bah, je crois que je l'ai déclenché. Il y avait une glace. Ah non, ouais non. Wouah ! Je vois des choses. Ah oui, d'accord, j'ai transformé l'eau en acide. Donc la créature est morte. Elle a fondu. C'est horrible. C'est horrible, mais c'est vrai. Mais c'est pas vrai, mais c'est sans fin ces labos, je vais jamais m'en sortir. Ah mais j'ai un deuxième donjon ici. Wouah, c'est quoi cette créature? J'y vais pas. Ah non mais fais attention hein, parce que dans les petits donjons comme ça, il y a toujours un boss à la fin. Oui, et puis là j'ai l'armée des 12 singes là, enfin ils sont 4 mais j'ai déjà zigouillé les congénères, voilà. C'est horrible ce que j'ai découvert. Une table de torture. On se croirait chez le dentiste. Ça peut servir de lit. Oui, c'est ça le pire. Oh, j'ai trouvé un flingue lance-grenade comme tu m'en as offert. Avec une peluche immonde. Que je réquisitionne. Alors, comment revenir sans crever? Parce qu'en dessous, il y a de l'acide. Ah! Aïe, aïe, aïe. Oh, l'acide m'a rien fait. C'est parce que je suis un robot? Trop bizarre. Je suis tombé dedans, j'ai rien eu. J'ai du bol, moi. Après, c'est peut-être ça, c'est possible que ce ne soit pas de l'acide, hein. Je sais pas. C'était du chiro à la menthe. Voyons les choses sur le bon côté. Oh, c'est quoi cette caisse? Oh! J'ai une banane en bouffe. J'ai la banane. Alors là encore, épreuve. Épreuve de saut. C'est pour tester notre habileté. Ça va, j'ai prouvé que j'étais suffisamment habile. Attends, c'est officiel ou c'est officieux ça? Non, c'est les cavités. Cavités naturelles. C'est pas pour moi. Cette planète est beaucoup trop grande. Un truc de fou. Attends, je remonte à la surface parce que comme on va pas tarder à arrêter. Que tu puisses stopper sans que je me fasse guaquer moi. Alors, il y a quoi dans cette caisse? Oh, il y a des ressources précieuses. Bah, il est bien ce bureau, je le veux. Non, ça va, c'était de l'eau. Eh ben, mais quelle planète! Wow, c'est quoi ça? Ah, je suis pas allé ici. Ah bah ça y est, j'ai fait le tour de la planète. Chic planète. Et dans son dessus. Wow.
Allez, je vais faire un tour à la base pour tout ranger, moi, et ce sera bon après. Yep, tu m'étonnes. Oh là là, c'est quoi le cadeau? Oh, c'est de la technologie, le cadeau. Ouais, oh, ça va, j'ai plus suffisamment de néon rouge, je dois en avoir 4. Je reviendrai si je fais des trucs immenses, mais normalement non. Normalement. Normalement. Attends, j'ai pas fait cette pièce. Ah, qui contenait un petit coffre qui était vide. Donc, je n'ai aucun gain. Ouais, c'est bon, je suis revenu à la surface. Bon, je vais arrêter là parce que... J'ai tout ce que j'ai pillé, j'en ai plein les poches. Ah, je pourrais même me faire un mini labo dans mon vaisseau. Je devrais. Un petit bureau d'études, allez, zou. Allez, on met le meuble là. Attends, comment je peux faire? Mais non, mais j'ai même pas la place, à vrai dire. Oh, faut que j'aille dans ma base. Bon, c'est pas grave, ce sera au prochain épisode. Je vais ranger mon matos. Les frigos sont pas assez grands. J'ai un lavabo. Bah, le frigo, je le mettrai dans mon vaisseau, mais quand j'aurai fait une première extension, là, à 10 000 pixels, tu me diras, j'en ai 1739. Hein. Si je fais pas l'idiot... Oh, c'est horrible, j'ai le truc de torture. J'ai la peluche Big Ape. Le mauvais goût absolu. Attends, je sais où je vais la mettre, là. Ne répondez pas à cette question. La peluche Big Ape. Oh, j'ai ma bouteille de champagne. C'est le luxe. Oh, j'ai la lampe lave. La tant convoitée lampe lave en déco. Magnifique. Oh, je vais me faire un labo zugré. Magnifique. Le pire, c'est que pour peu que chaque peuple ait son labo secret, tu mélanges les technologies, t'as le meilleur labo de l'univers. Non, parce que t'as des peuples qui sont plus... sauvage, on va dire, plus nature. Les Floranes, par exemple, d'ailleurs. Les Floranes ne font pas de labo. Oh, cette peluche. Oh, comment ça fait flipper, là, les yeux qui clignotent. Mon cockpit de pilotage fait trop flipper, maintenant, dans mon vaisseau. Laisse tomber. J'ai plus de place dans mon frigo. Hop là. Alors, je peux inspecter mon inventaire tout en étant au dodo. Comment joindre l'utile à l'agréable? Eh bien... Ah! Mais j'ai chopé un bouquin. Minibug antenna. Ah, un rapport interne. Ah, mais bah, j'en ai chopé oui. Deux, moi. Je te les mets de côté. Oui, je veux bien, parce que qu'est-ce qui s'est passé dans leur labo? Alors, le vestigie vaut... Ah! Process final sur un vestigie évolution. Évolution des vestigies. Évolution mentale et physique. D'évolution d'un squelette à l'altération. Ah, extrême altération du squelette. Apparemment, c'est un être très chevelu. Fonction mentale à 300%. Oh la vache. Le changement pour nos espèces seront permanents. La recherche doit commencer. Ah, d'accord, ils font une recherche dans le sens où le physique est mis en avant. Ça, ils en font des colosses armoire à glace. Ah bah c'est mon premier. Enfin, je sais pas si je peux dire que c'est mon premier texte extraterrestre parce que j'ai d'autres codecs, mais jusqu'à maintenant j'avais que de la lecture humaine. Et là, c'est mon premier. Apex, les hommes singes. C'est mon premier document de leur labo The Grey. Ah là 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 là. Pa 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 pa. Oh, il y a des flingues. 4
Wouah, mais mon flingue, il est mieux que celui que tu m'as offert. Excuse-moi, mais je change déjà de niveau de technologie, moi. Wouah, testons ce flingue de la violence. Tu dis, hein, qu'on doit arrêter. On doit arrêter. Bon, bah alors, Je vais vendre mes trucs à l'outpost. Parce qu'il y a des trucs... En fait, le truc pour vendre depuis chez toi... Oui. Ça marche surtout que sur les plats et les légumes, les trucs comme ça. Si tu veux vendre le reste, faut quand même aller à l'outpost. Sinon, tu vends plus que dalle en fait. Ah bah oui. Eh bah c'était bien. Merci pour cette session de jeu. C'était cool. On se retrouve. La semaine prochaine. C'est loin samedi prochain. C'est triste. Bah, profite de tes vacances. Moi, je me prendrai une petite semaine fin juillet. Où je vais potentiellement diffuser tous les matins. La dernière semaine de juillet, je pense que je vais faire comme ça. Enfin, presque. Parce que il faut que je garde un jour où je vais faire un tournage de promenade avec mon ami Nayonnais. Qu'on continue les promenades. Sachant que la prochaine, c'est au parc de Brabois. Ça va être joli. Ouais. Oui, vous allez bien vous balader. Et d'ailleurs, la prochaine diffusion de promenade sur mon antenne, ce sera donc le canal de la Marne au Rhin. Et vous verrez qu'on n'a pas pu faire ce qu'on souhaitait. On a eu des embûches sur notre promenade. Et vous verrez ça dimanche dans 8 jours, le week-end suivant. Je viens de tester. Alors, les armes et tout le reste, t'y vends. Zéro depuis chez toi, mais t'y vends pas mal à l'outpost. Et la bouffe, c'est l'inverse, tu la vends plus cher depuis chez toi. Ah et ouais. Tu la vends plus cher si elle est... tu la vends plus cher si elle est cuisinée. Ah, ah oui, parce que t'es passé d'un produit de base à un produit raffiné. Oui, bah tu m'étonnes que là il y a de la plus-value. Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est le même produit, tu le vends plus cher depuis chez toi en l'envoyant que en allant jusqu'à l'outpost pour le vendre. Ah ouais. Tiens, tiens. Ouais. Ouais, c'est bizarre. Non, ça me chagrine pas. Alors ouais, c'est ouais. Pas ouf, tu vois une carotte, j'ai regardé une carotte, tu la vends 6 à l'outpost et 8 avec le truc de livraison. Quoi. Bon. Non, c'est bien. C'était cool. Eh ben moi je vais m'arrêter là. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci à Rio pour son follow. N'est-ce pas non, toi tu vas continuer encore. Ouais. Je vais reprendre mon Far Cry 2 de tout à l'heure. Voilà. Jusqu'à donc... vers les 13h pour ma part. Bah merci okay. À toi d'avoir joué, petit Seb, et bonjour à tes spectateurs. À la prochaine, à samedi prochain. Ouais, c'est pardon, ça, à samedi okay. Prochain. Je t'envoie tout le monde et je pars direct. Ah, hein. Oh, c'est adorable, merci. Moi, ouais, je t'en prie. Allez, zou, moi je vais déclarer du Far Cry 2 et je reprends ma partie de tout à l'heure. J'étais à fond dedans. Et voilà. De mon...